On se fait... t'as pas la carte magnète sur le frigo. Ah frère, j'avais le... C'est quoi, c'est le Gaulois là ou je sais pas quoi. Tu tapes toujours le même département, c'est un enfer. On va jouer juste vite. Pour l'instant, je les connais pas, hein, donc le but, c'est de pouvoir progresser. Je dois les placer. Alors, en gros, tu dois les placer, t'as 3 chances. Donc 0-3, c'est l'allié. L'allié, ça doit être 42, c'est là. Ça commence bien. Meurthe et Moselle, 54. La Meurthe et Moselle, c'est là. La Somme, 80. Ça, c'est l'Oise. La Somme, c'est là. Non, c'est l'Aisne. Ça doit être là, du coup. C'est bon. 61, Orne. Orne, c'est Alençon. Ça, c'est la Mayenne. Du coup, c'est juste au-dessus. Calvados, 14. Calvados, 14. Calvados, 14. Le Calvados, c'est là. Haute-Corse, 2B. Haute-Corse, 2B. Haute-Loire. Alors, la Haute-Loire. Donc, ça, c'est la Loire. La Haute-Loire, c'est en dessous. Parfait. Trop bizarre. Les Hautes, ça, c'est Bas-Rhin. Ça, c'est Haut-Rhin. Le 2, c'est l'Aisne. Putain. Ça, c'est l'Ain. L'Aisne. L'Aisne, c'est où? Je sais plus où c'est l'Aisne. D'accord, c'est pile là où j'avais mis. C'est énorme, ça va? Putain, je suis con. Isère 38, ça c'est Grenoble. Merde. Ah, l'Ain, c'est là. Ah, oh, j'ai inversé les deux, le con. 41, Loire-et-Cher. Alors, Loire-et-Cher, c'est... là, t'as Paname, ça doit être là. Parfait. 40, Landes, c'est sous le 33 qu'est la Gironde. 1, du coup, ici. 53, Mayenne. Alors, la Mayenne. Finistère, Morbihan, Côte d'Armor, la Mayenne c'est pas là, si c'est là, 53, 05 Haute-Alpes, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes, Alpes-Maritime, 78 Yvelines, 46 Lot, alors, Gironde, Dordogne, Lot, Drôme, 26, Drôme c'est, non, c'est dans le coin, ça c'est 69, la Drôme c'est 26 ici, ok, 91 Essonne, 78, 91 c'est en dessous, 27 Heures, Eure-et-Loire, donc ça c'est bon. 70, Haute-Saône. 60... Mais là pour l'instant on les a. 70, Haute-Saône. Je crois que c'est dans le coin là. Non merde. Non ça c'est Haute-Marne, du coup ça c'est... Oh non merde. 11, Aude. Ah l'Aude c'est chaud tu vois. Ah l'Aude c'est peut-être tout en bas. Je crois que c'est Narbonne. C'est Narbonne. Côte d'Or. Côte d'Or c'est donc... là il y a ça. Là il y a Lyon. Là il y a Côte d'Or. Gers, 32. 32 ça doit être dans un coin... Oh, c'est ici... Juste à droite du 40 Landes, ok. 39 Jura, donc ça c'est territoire de Belfort. Ça c'est le Doubs. Ça c'est Bas-Rhin. Non, c'est Haut-Rhin ça. Ça c'est Belfort. C'est là. Ah non, c'est le... Oh, Jura c'est le... Oh non, j'ai mis ce clic. Oh, 65 Haute-Pyrénées. Alors, Pyrénées-Atlantique. Pyrénées... Ah non, Oriental ça. Ça c'est... C'est là, c'est là. Ça c'est le truc que je sais plus, mais je sais. Lot-et-Garonne. C'est ça, non? Ah non, c'est Haute-Garonne. Oh non, Tarn-et-Garonne. Bah si ça, c'est... Attends, ça, c'est Garonne. Ça, c'est... C'est entre les deux. Gironde, 33, c'est ici. 10, Aube. Où est-ce que c'est, l'Aube? Putain, parce qu'ensuite, là, il y a tous les trucs genre de Deux-Sèvres et tout. L'Aube. L'Aube, ça m'a l'air d'être... Putain, je me souviens plus d'où c'est, l'Aube. Ah, c'est un, je savais pas. Ok, l'Aube, c'est juste au-dessus de la Côte d'Or. Et là, c'est Lyon. Ok, Morbihan. Finistère. Truc, Morbihan. Finistère. Haute-Marne. Ah bah je crois que la Haute-Marne, c'est juste à... C'est là, 52, parfait. Ardennes 08, ça c'est Sedan. Charente-Maritime. Du coup ça c'est Charente... Ah non, ça c'est Charente, ça c'est Charente-Maritime. 64 Pyrénées-Atlantiques, c'est tout en bas. Vosges 88, c'est... C'est là. Oh non mais... Ah putain, à chaque fois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la forêt ici, donc je mets ça là. 51 Marne. La Marne... La Marne, c'est là. 19 Corrèze. Alors... Ça... C'est donc le Lot. Et ça, c'est la Haute-Loire. Je pense que ça, c'est le Cantal. Ça, c'est la Corrèze. Yes. 84, Vaucluse. Alors, ça... Là, c'est 83 et 84. Je sais plus lesquels. Vaucluse, je pense que c'est là. Ok, donc ça, c'est le Var. 95, Val d'Oise. 80... Oh non, je suis con. Oh, je troll. Oh, je... Mais putain, c'est Cergy. Je suis trop con, quoi. Je suis trop con. Bon, c'est pas grave. Vendée. Non, ça c'est Nantes, c'est 44. Vendée, c'est là. 66, Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales. Non, ça c'est Haute-Pyrénées. Oh mais non, je suis trop bête. 82, Tarn-et-Garonne. Alors, Tarn-et-Garonne, c'est Tarn et Tarn-et-Garonne. 83, c'est Tarn, je crois. Donc si Tarn-et-Garonne, et ça c'est Lot-et-Garonne, ça doit être là. Et le Tarn, ça doit être lui, là. 23, Creuse, je crois que c'est juste au-dessus. Parfait. 74, Haute-Savoie. 60, Oise, c'est juste au-dessus. 13, Bouches-du-Rhône. 57, Moselle, je foutrais ça là. Parfait, 93, Seine-Saint-Denis, 94, Val-de-Marne,
83 Var, on l'avait déjà mis. 06 Alpam Maritime, c'est Nice. Gare, c'est là. Oh non ! Attends, le Gare. Le Gare, c'est Pont du Gard, donc c'est Nîmes, donc c'est là. Parfait, 25. Ah, le Doubs, c'est un truc ici. Non, ça c'est Loire, c'est 42. Ça c'est Puy-de-Dôme, ça. Lozère. Ah, je l'ai pas. Ah putain, pourtant, c'est entre le Jura et la Haute-Saône, le Doubs. À chaque fois, je sais pas. Bas-Rhin, donc c'est en haut. 31, Haute-Garonne. Bah du coup, si là c'est Lot-et-Garonne. Ah non, c'est là. Haute-Garonne, c'est là. C'est le truc que justement, je comprenais pas. Donc si ça s'éteint, ça voilà, ça s'éteint. 62, Pas-de-Calais. Ah merde, 59 ou 62? Ah oui, 59 c'est nord. 89 Yonne, c'est juste à gauche de la Côte d'Or. 09 Ariège. Alors l'Ariège, c'est un peu genre... Putain, c'est où l'Ariège? Ça c'est l'Ardèche. Ouais, c'était bien déjà. Ça c'est l'Hérault, ça je sais pas. C'est l'Aveyron. Ah bah non, l'Ariège c'est au fond, c'est au fin fond du monde. C'est dans les Pyrénées. Aïe aïe aïe. Territoire de Belfort, donc c'est le tout petit truc. Eure-et-Loir, ça c'est juste ici. Dordogne. Alors la Dordogne, donc là c'est... Là c'est Charente-Maritime, c'est Charente. Est-ce que c'est là ou là? C'est là. 24 Dordogne. 58 Nièvre. Alors là ça devient un peu touchy parce qu'on comprend pas là ici. Indre-et-Loire. Est-ce que ce serait pas ça plutôt? Ah oui c'est ça. Je sais jamais du quel côté. Ici je maîtrise pas trop là, il y a plein de départements. La 86 Vienne, pareil, je suis un peu... La Vienne, il y a la Vienne et la Haute-Vienne. Sauf que ça c'est le 69, ça c'est le 42. Ça c'est la Côte d'Or, donc non. La Vienne et la Haute-Vienne. Haute-Vienne, donc Vienne, parfait. Là c'est facile parce que Loiret, ça doit être Orléans. Non, c'est pas Orléans. Mais non! Attends. Ça c'est Loiret. C'est là? Mais je suis con. Et là c'est Loiret-Cher. Ok, Haut-Rhin, Ardèche. Ardèche c'est là. Maine-et-Loire. Alors Maine-et-Loire, 49 c'est Rennes. Non, c'est Indre-et-Loire. Maine-et-Loire, ça doit être là, parfait. Rhône, 69. 87, Haute-Vienne. Bah du coup, c'est en bas. Mais non, je suis con. Loire-Atlantique, 44, ça c'est Nantes. 42, Loire, Saint-Étienne. 22, Côte d'Armor, le nord de la Bretagne. 55, Meuse. Alors la Meuse, c'est vrai qu'on a des questions. La Meuse, on sait jamais trop. Hein. La Meuse, c'est là. On le sentait là. 59, Nord. Deux-Sèvres. Alors Deux-Sèvres, c'est où? J'ai déjà cliqué sur une des deux. Ça c'est Charente, donc ça c'est Charente. Donc ça c'est Charente. Deux-Sèvres, c'est quoi? C'est Poitiers? C'est Poitiers? Charente, donc c'est ici. Alpes de Haute-Provence, c'est là. Seine-Maritime. Ah bah non, pardon. Seine-Maritime, ça fait que t'es... Oui. 75, Paris. 71, Saône-et-Loire. Alors Saône-et-Loire, ça me semble être là, moi. Parfait. 12, Aveyron. Hérault, 34. Bon, après, là, il faut remplir maintenant, donc ça va. Là, t'es... Seine-et-Marne, 18, Cher. Alors, attends. Ça, c'est le Loiret. C'est là, le... Oh non. Oh, le troller. Indre. Indre-et-Loire. Sarthe. Puy-de-Dôme, il est vilaine. Bon. Bon. On commence à rentrer un tout petit peu, quoi. Mais je les ai pas encore. Mais c'est en fait, le truc, c'est que là, pour l'instant, c'est facile. Parce que, genre, sur GeoGuessr, on aura juste, genre, un numéro. Tu vois, pas mal. Non, en vrai, c'est, pour un début, c'est bien. Hein, parce que je me suis dit vraiment 10 minutes avant le live que j'allais commencer à apprendre. Parce que je pense que c'est trop facile, en fait, GeoGuessr, si tu sais que t'es dans le 42. Le 42, t'es où? Je sais pas où on est dans le 42. Sauf que là, du coup, je me suis fait une petite note 42. C'est-à-dire que 42, c'est un L. Parce que y a les départements entre 40 et 48, c'est des L. Donc, du coup, le 42, ça doit être. Ah, mais c'est chiant parce que c'est les Loire-et-Cher, Loiret. Loire, 42, Saint-Etienne. Typiquement. Et je pense que, bon, du coup, aujourd'hui, GeoGuessr, on va juste tricher, mais c'est juste parce qu'on s'entraîne, le but, c'est que ça rentre dans ma tête. Donc, t'as du mal avec l'Est. Bah, il y en a beaucoup, j'ai pas. Mais bon, je me dis, au moins, après, on connaîtra, quoi, donc ça servira aussi, quoi. Dans les préfixes, j'ai 01, 02 et tout, mais ensuite, c'est 04, 68, c'est peut-être un peu deep, quoi. Donc, bon. C'est quoi le site? Là, j'avoue que j'avais tapé... Ah, c'est, bah, c'était Cetera. Ah, c'est ça, Cetera, putain, tout le monde m'en parlait. J'avais tapé avant le live quiz, machin. En vrai, t'es chaud. Non, mais là, j'ai une base, déjà, tu vois. Mais je me dis, bon, au pire... Après, c'est l'avantage de GeoGuessr, c'est que c'est sympa, et ça nous apprend quand même un peu... Bon, tu vois, c'est la France, donc connaître les départements, ça sert toujours, quoi. T'as pas les plaques, non. Non, en fait, t'as pas les plaques, mais souvent, t'as, par exemple, je te dis une connerie, t'es genre le Leclerc dans le coin, en bas à gauche, t'as le code postal. Et code postal, t'as envie de savoir. Si directement, avec le code postal, tu connais, justement, le département, bah, tu te repères direct. Donc, t'es assuré de faire un 4500 points, quoi. T'es peut-être mieux à apprendre les grandes villes par département. Aussi, techniquement, il faut tout, quoi. Tu vois. Juste. Voilà. Mais j'avoue que j'aime bien GeoGuessr. Le site jeu géographique est pas mal, ouais.
ou des fois sur les poubelles. C'est vrai aussi, ouais, tu vois. Et de temps en temps, tu peux avoir un département et t'es en mode putain, c'est où. Mais entre le moment où là, par exemple, tu vois, genre, je sais que déjà t'as la carte, tu vois, avec tous les départements nommés, le moment où tu tombes juste face à un 03, 03, c'est l'Aisne. Et c'est en haut à droite. Ça c'est 03, N. C'est 02, bordel. C'est l'Aisne. Ah, c'est l'Allier. L'Allier, c'est quoi? C'est Montargis, en gros. On comprend pas trop au cœur de la France qu'il y a là. On sait pas trop ce qui se passe. On sait pas trop. Si tu connais le nom de département plus code. Ouais, c'est ça. 25 Doubs. Le... D-O-U-B-S, ça se dit comment? Le Doubs? 33, c'est facile parce que c'est Bordeaux. Je sais pas pourquoi. Le 33, c'est un facile, tu vois. Coach, le 89. Putain, j'ai pas. 79, c'est Deux-Sèvres. 89, c'est Lyon. Il y en a qu'un seul, c'est Giroud en Y. Oui, c'est ça. 89, j'ai qu'un Y. Montargis, c'est le Loiret. Ok. Parfait. Non, non, mais tu vois, je pense que c'est pas mal ce truc de numéro que je me suis fait là. T'es juste de me dire de 1 à 12, c'est A. Parce que si tu fais. Si tu dis genre 45, bah tu sais directement à peu près, tu vois. 40, 48, c'est L. 50, 57, c'est M. Il y a qu'un seul J, c'est le Jura. C'est le 39. Tu vois, donc ça te permet de situer à peu près, tu vois. C'est, je trouve que c'est pas con. Je pense que c'est un truc qui va me faire apprendre. Faut faire attention parce que t'as pas toujours les départements indiqués. Ouh non, bien sûr, mais bon. Connais-tu aussi les départements d'outre-mer, monsieur? Bah là, en fait, là, je joue beaucoup pour GeoGuessr. Mais je dirais que Réunion, c'est 974. C'est 974. Guadeloupe, 972. Non. Si. Putain, Martinique, je sais pas, par exemple. Ah, c'est Martinique, 972. Et c'est 971, Guadeloupe? C'est... C'est quoi 971 en Guadeloupe, ouais. Moi j'ai inversé les deux. Et 973, c'est quoi du coup? C'est la Guyane. Ok. Là, je tapais 970, c'est là j'ai forgé TX, hein, c'est autre chose. Laissez mon Laval en paix. 59, c'est pareil, on sait que c'est le nord, tu vois. 59, 62, 13, 69. C'est des faciles, ça, tu vois. Attends. C'est combien j'ai bugué 72. Ah, c'est la Sarthe, voilà. 72, c'est pour le MUC 72. Mais. Je sais pas pourquoi j'avais le MUC 74. Non, c'est Haute-Savoie, ça, aucun port. Tu vois, t'as des trucs parfois qui restent en tête, donc Sarthe le Mans. Bon, on se fait un petit. Je vous propose, les potes. Cet après-midi, c'est petit GeoGuessr. Petit GeoGuessr tranquille, justement, où on va essayer de... Si vous voulez, on peut essayer de se faire une run comme à la ZLAN, parce que c'est le but, hein, quand même, de train pour la ZLAN. L'objectif, c'est clair, hein, c'est il y aura 8 poules de 8, c'est d'être premier, tu vois. Donc, s'il y a Justin, s'il y a Étoile dans la poule, bon, bah, ça sera chaud, mais c'est d'être premier, on verra bien. On peut toujours... on se fixe des objectifs, tu vois. Zarté, merci pour le sub. Et donc, ça, c'est important. Et je pense que, du coup, on va faire une map France, une Europe, une monde, et juste voir combien ça va être mon PB, tu vois, sur les 3 maps. Donc 19 ans aujourd'hui. Et bien mon cher Gauthier, bon anniversaire. Souhaitez-lui bon anniversaire. Je vais faire un petit pipi. J'arrive tout de suite et on part pour de la run. Voilà, ça va être Justin énorme, mais Justin est stratosphérique. Mais on y croit. A tout de suite.
Rebonjour. Manque des bouquins dans la bibliothèque. Ouais, un peu, putain, je l'ai plus du tout d'ailleurs. Les amis, tac tac tac. Oh, je vous laisse changer le titre, les modos. C'est parfait. Tu donnes le smile, père, en vrai. C'est gentil, vous aussi. C'est mutuel. Trop bien ces streams sur GeoGuessr. Ouais, je kiffe. J'avoue que je kiffe bien, là. Je kiffe bien. La préfecture de la Creuse, c'est Tulle. Non, c'est la Corrèze, ça. Préfecture de la Creuse, ils mettent même pas. Ils disent juste... C'est Guéret. Ah, putain, ouais. Ah, ouais. En fait, ce qui est à Tona. Arthur, merci pour le Prime, bienvenue à toi. Bon, on part, format Grande Ville en Charente. J'ai aucune idée. Je te le dis, j'ai aucune idée. Comme ça, là... Ah, c'est Angoulême, ok. Oléron. Charente-Maritime, dans ça. Je... Cognac. Ah, Cognac, c'est pas 33 ? Cognac, c'est pas... C'est juste au-dessus de Bordeaux, non? Ah non, c'est Charente. Ah non, c'est vachement au-dessus de Bordeaux, putain! Ah ouais, j'avais l'impression que c'était juste au-dessus, moi. Oh, Pauillac. Château Pauillac, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Royan. Charente. Bon, allez, les amis. Tu sais, les logos des départements, pas du tout. Ah non, mais honnêtement, je ne connais rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, enfin, c'est-à-dire il y a 2 heures, je connaissais vraiment 5 départements, tu vois. Donc vraiment, je suis au béaba, quoi. Vous pouvez parler, la petite popo. Ah bah, c'est de la belle popo, en plus, hein, Pauillac. Mais vous pouvez parler dans le chat, moi, je vous cache juste. Je joue donc en format, pour la Zilan, donc en format 2 minutes 30. 2 minutes 30, on va se faire. Je propose qu'on fasse vraiment run. On essaie de faire un PB, tu vois. C'est-à-dire... 5 maps, 2 minutes 30, enfin pas 5 maps, mais 5 fois 2 minutes 30 France métropolitaine, 5 fois 2 minutes 30 Europe, 5 fois 2 minutes 30 monde. Ça nous fait un score, on se rentre le score et on voit comment on réussit à augmenter ce score, tu vois. Sans refaire ni rien, hop, je vous bouge la cam, je crois que c'est ici que je dois la mettre. Mais ça me hype à chaque fois les streams GeoGuessr, je kiffe. Vraiment, je kiffe en ce moment. Avec l'objectif Zilan, tu vois. Qui du coup, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y aura un grand rendez-vous, entre guillemets, où faudra pas bégayer, quoi. On est parti! Allez, en route. Alors, je vais sûrement... Est-ce que vous me laissez... Alors, circuit du patrimoine. Attends, là, il peut peut-être... Non, mais tu vois, ça, c'est trop de temps perdu, par exemple. J'ai voulu gratter une info en plus. Parce qu'en fait, j'ai ma petite fiche, hein, donc, comme je vous disais, avec les différents départements. Genre 1 à 12, il y a le A et tout. Est-ce que je joue avec pour essayer de m'entraîner, pour essayer d'entraîner justement ces départements? Tu vois ou pas, quoi? Ah, c'est DFCI, Lens. Qu'est-ce que c'est cette merde, là? Prendre cette route, plutôt, elle a l'air mieux. Je sais pas. On va voir. On va voir ce que je fais. Parce que d'un côté, j'ai besoin, justement, de faire travailler... Mais c'est cool, après, de connaître le département. J'avoue que c'est un truc, c'est beaucoup... Transporteur de l'année, ok, d'accord. C'est beaucoup, genre, mais tu sais, les grands-parents, etc., qui connaissaient ça. J'avoue que c'est un truc où... Je sais pas, on nous l'apprend, ça, ou pas? Après, 1 minute 30, là... Arangos. Après, il va pas falloir focus que les départements, c'est juste, c'est le petit plus si jamais t'en as besoin, quoi. C'est mignon, Arangos, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans le... Ouais, c'est pas dans le sud. Putain, mais on est où, là? Je suis en hard int, là. J'étais là avec mes petits départements, mes petits trucs... On est comme des chiens, attendant un panneau. Alors, Bellong, Villeneuve, Taras, Tartas, Parc Monsonnet, Pays Morsonnet. Putain, Morsonnet, ça me dit rien, dommage. Ça aurait été pas mal parce que là on est dans le flou, là. Là, je dois avouer que... Une poubelle. Oh, la poubelle avec le département, on y a cru. Bon, j'ai fait de la dumps, là. Pays Morsonnet. Mort, c'est quoi? C'est un... Ah bah là, on est... capoute, là. Oh, y a rien. Oh, je crois que ça va reset, hein. Histoire de quand même lancer, c'était juste la game de chauffe, histoire de cliquer, tu vois. Bon, là, j'ai fait de la merde, j'ai pas assez bien cherché. Morsonnet, je sais pas, tu vois, où je verrais ça, je sais pas, il a l'air de faire beau, les gens sont heureux. Pas loin de Rodez, tu vois. Morsonnet...
Non, c'est plus plat que ça, je pense. Ah ouais, c'est là. Darjuxan. Putain, j'étais à chier. On reset. On reset, on reset. Ça remake, ça remake. Ça, c'est... J'ai chauffé le clic. Vers Mont-de-Marsan. La forêt pouvait t'aider. Regarde les tuiles ou ardoises. Ah ouais, non, mais là, j'ai été le monstre. Putain, quel boss, quoi. Oh, ça serait dingue. 86. Oh, 86. C'est un V. 83, Var, Vaucluse, Vendée. Non, c'est pas Vendée. Putain, tout ça pour ça. 0,5. Mais du coup, c'est un V ici. C'est un V ici. 86, Var, Vaucluse, Vendée. Vu, vous êtes là. Va vous. Bon, on est en 0,5. Putain, c'est quoi le truc qui me manque? Var, Vaucluse, Vendée. Ah, mais t'es dans le... T'habites pas dans... Dans le Vouille? Dans le Vrouille? Dans le... Ah, mais toi, t'es du... Parce que là, il y a Tarn, il y a machin, il y a truc... 0,5. Putain, ça va être le feu. Là, tu vois, typiquement, j'aurais déjà pu être dans le département. Si je les connaissais. Ça va être le feu quand je vais les connaître. Hein. Oh, je les connais bientôt. Ah, là, je suis en train de cliquer, alors que j'aurais déjà pu être... 86 et 0,5. De Sèvres, non, c'est un S. Alors, pont médiéval, yes, pont médiéval, yes. Il y a du pont. Route Richard, cœur de Lyon, yes. T'es dans le... Non, mais ce serait pas Vendée. Le Chalard. Le Chalard en Limousin. Le Chalard en Limousin, mais c'était pas ce que j'ai vu. Sur la route de Richard, cœur de Lyon. Putain, mais c'est quoi cette Dordogne? Mais non, mais... En V? Mais je suis du père, là. Ah, mais c'est peut-être quelqu'un qui venait de loin. Oh non, mais putain, mais ça m'a plus embrouillé qu'autre chose d'essayer d'apprendre la perche. Ah, mais ça, c'est le perche, c'est différent. Envie de crever. J'ai envie de crever. Oh non, j'ai envie de crever, putain. Ça m'a plus embrouillé la tête qu'autre chose. Oh non, ça reset, hein. J'ai envie de mourir. Oh non. Le Chalard en Limousin. Oh, je suis pas loin, quand même. 4000 points. Ah, le Chalard. Mais c'est... Oh, c'est la Haute-Vienne. Putain, ça m'emmerde, ce truc. C'était Vienne qui nous manquait. Ah ouais. Un camion, ça se déplace, PA. Non, mais c'était bon, hein. Parce qu'en fait, Haute, ça compte pas. Ça reste dans le V. 87, Haute-Vienne. Et 86, c'est Vienne, du coup. Et c'est quoi, 88? 88, c'est quoi? Je t'ai jamais des numéros de départemental. En fait, chaque département... C'est pas gagné, MDR. Non, mais là, on n'a pas eu... C'est les Vosges. Ok, je les ai tous, maintenant. 88, Vosges. C'est genre là, les Vosges. À peu près, quoi. Ouais, voilà, là. 86, Futuroscope. Putain. Ok. Ok. Eh, on limite la casse, hein. 4000 points, c'est ok. Hein. L'objectif, c'est de régler 22-23 000 points. Donc là, j'ai perdu des points, mais là, je vais vous chercher un 4900, là. C'est bon, j'arrête de déconner, là. J'ai fait deux games de merde. Ah, ça fait plaisir là, d'être là où on est là. Ah, on est en Aubrac. On est pas en Aubrac. Je parle de la ville. J'en ai rien à foutre. Je suis comme ça, moi. Je suis terminé. C'est vrai qu'un camion ça bouge en plus. Hein. C'était pas con ça. Hein. N12. N12. Là, il y a une nationale carrément. N12. Puis quand on voit ça, nous. Mayenne. Mais comment ça, Mayenne? Non, il donnerait pas Vilaine Lagie, Le Ham. Non, mais il donnerait pas genre la direction vers le département quand même. 02, on est en 02 en plus, hein. 53. Putain, 53 c'est quoi? 53 c'est M. Non, Mayenne. C'est où la Mayenne? Mayenne. Oh, c'est une ville, Mayenne. Oh bordel, c'est dingue.
C'est dingue cette vie là. Putain, c'est beau. Hein. Bon, du coup, il y a la N12 dans le coin. Bon, 18 bornes, N12. On va où? Nous, on va à l'est. Combien plus de là? D147. Après, ça aurait été propre de pouvoir voir la ville dans laquelle je suis entré, quoi. Je crois que j'ai eu trop d'informations dans ma tête et du coup... C'est long, là. On est à 18 bornes, on est là, quoi, à peu près. D147. On est là. Putain, on se sent quand même en danger. Hein. Le Ham... Ah non, nous, on est à Le Horps, là, non? Je crois qu'on est à Le Horps. Putain, je suis parti de quel côté? Oh là là, le choke. Le Ribet. Je sais pas plaise, hein. Le boulet. Oh, je fais pas plaise aujourd'hui, hein. J'arrive pas. Bon, ça va. Hein, c'était pile là, en fait. Oh, mais c'est le rebay ici. Mais attends. Je suis foncedé ou quoi? Non, mais attends. Pourquoi j'ai cliqué ici? J'ai cliqué ici parce qu'il y avait marqué le rebay, non? Bon, 4970 points. Tout va bien. Tout est calculé, messieurs, dames. Ouais, on est d'accord, j'ai cliqué pour ça. C'est vraiment un petit village, le Horps. Ah ouais, non, mais là... Et du coup, ça, c'est où, ça? Ça, c'est la Mayenne. Je savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Mayenne. Attends, je cherche la séparation. Et on est en Mayenne. Ah ouais, il y a le fleuve la Mayenne, il y a la ville de la Mayenne et dans le département de la Mayenne. Ah oui, j'ai cliqué pour le croisement entre les deux. Oui, c'est pour ça. Non, non, mais j'avais bon, j'avais bon. Oui, en fait, j'ai cliqué pour le croisement et du coup, ok, c'est ça. Putain, je me suis... Pfff. On n'est pas insane, hein, quand même, là. Là, c'est... Bon, 30 points du max, mais c'est vrai que ça fait pas plaisir. Toujours, on descend. Dans les moments comme ça, toujours, on choisit la descente. Après, on vise, honnêtement, hein. Je disais 21 000 points, mais c'est petite couille. Hein. On peut largement se viser à 23 000 points de régu. Hein. C'est ambitieux, 23 000 points de régu sur 25 000 possibles. T'as pas le droit de lâcher beaucoup de points, quoi. Mais bon, là maintenant, on a plus de reset possible et on essaiera de faire des PB. Et le PB va vraiment contenir et la France et. On se fait chier en tout cas ici. Hein. Et la France et. Non, mais là pour moi, tu vois, on est dans les Vosges, tu vois. Pour moi, là, c'est ambiance petit Grégory, quoi, un peu. Je le dis, c'est un peu brutal, mais... Là, il y a la Vologne dans le coin, là. Terre est un peu rouge, là. Ah, là, je... Shit, Donzi, bonnet de J. Voilà, c'est... Très, très ambiancé, ici. Hein. Après, en plus, quand parfois, c'est en hiver, tu vois, c'est que... Ça te rassure pas, quoi, sur la gueule d'heure. C'est terrible, putain. Oh, la giga... C'est pas une cheminée, mais... Ah, bah, c'est un bonnet en J, de toute façon. Précis sur Saint-Vincent-des-Prés. 03. Ah, il y a une ambiance, hein. J'avais peut-être pas tort dans mon truc, hein. Plus bas, genre vers... Mais attends, parce que... Il y avait pas de département là-dessus. C'est vrai que j'ai cliqué, mais... Chid. Cluny. Ah, Cluny, ça me dit un truc. Cluny, c'est connu. Cluny, c'est connu. Putain, j'ai le seum. Cluny, c'est connu. Putain, Cluny, c'est connu, j'ai le seum. Putain, c'est plus près, non? C'est vers 3. Oh, c'est plus bas. Je suis à chier, putain.
Oh, je suis terrible là. Haute-Saône. Je pense au métro Cluny, la Sorbonne. Ah ouais? C'est pas connu, Cluny? Si, tu vois, il y a une petite abbaye quand même. C'est pas connu de fou, quoi. Il y a un lycée général. Il y a bien. Pas spécialement connu. Oh putain, je me suis dégoûté là, j'ai été nul. Après, pas simple non plus, hein. On avait pas non plus un. Pas simple. Hein. Ma mère est la directrice de l'hôpital de Cluny. Putain. Abbaye très connue. Il y en a un vers Paris, je crois. Ouais, ça me disait un truc. Je sais pas pourquoi. Je voyais ça vers... Je sais pas. J'ai déjà vu Cluny. Je sais pas où, comment, mais... Tu vas trop vite. Mais en fait, c'est 2 minutes 30 le format. Donc, on peut pas non plus analyser 20 000 indices, tu vois. C'est un peu le souci du truc, quoi. Superbe, l'abbaye de Cluny. Mais attendez, mais mettons-nous l'abbaye de Cluny, les gars, maintenant qu'on est là, là. Yes. Ah oui hein. Attendez. Oh mais attendez hein. Ouais, stylé en plus hein, quand même. C'est quand même assez beau. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Une des plus belles abbayes du Moyen-Âge. Cluny, la Sorbonne, c'est une station de métro. Ouais, ça va peut-être jouer. Bon, bah, gros choke. Gros... Ah, ouais, putain, en plus, ça, du coup, il y a ça. Gros choke, là. Gros choke. Je sais pas, je me sens pas bien dans ma run, quoi. Je sais pas, faut que j'en parle à mon coach, mais bon. Cool, on avait pas le droit d'aller là-bas. Oh, mais ça, c'est. C'est le Moyen-Âge, là. Sèche, D933. Perrière, Miramont. Église de Pernière. Miramont. Ah, je vais vers Miramont. Totale confiance en Miramont. Là. Ouais, on se remet dedans. Il y a eu beaucoup d'informations à gérer. Perrière. Escassefort. Oh, Bergerac. Périgueux. Pourquoi je gueule? C'est où Bergerac? Putain, Bergerac, ça me semble être quand même. Bergerac. Périgueux, D933. Ok, je vais au nord. Donc, du coup, on est potentiellement là. D933, D132. On est bien plus bas. On est bien plus bas parce qu'il y a Miramont Gain et ça on le croise pas. Donc on est minimum là nous. D933, D132. On est pile ici. On est pile ici et on vient d'où? On vient de là où on a fait un truc un peu chelou. On est allé au nord. Nord. Et on tombe sur un croisement. Justement avec la D933. Et là-bas, c'était quoi? La C1. Hein, ce qui nous met pas si bien que ça, quand même, cette C1. Mais on est à 0,8 de Perrière. Bon, ça, c'est pas mon fort. Le moment où il faut vraiment se repérer. D933, c'est un machin. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'on l'indique au nord. Alors que le croisement, il se fait... tu vois, Miramont. On devrait pouvoir... Ah, Escassefort. On avait vu Escassefort. Sèche. Il y avait sèche aussi là. C'est mou, hein. Je sens que c'est mou. Hein. On a 3,5 bornes de sèche. Et sèche, c'est au sud. Miramont. Je comprends pas où j'ai trouvé mon croisement là. 3 km, je suis perdu. Je sais pas ce que je fais. Voilà, je fous ça là. Voilà, ça va très bien, mais je sais pas ce que je fous, putain. Black Leafut, merci beaucoup. J'ai pas... C'était là, Perrière, putain. Ah, mais la D132, elle est fourbe. Elle est pas si fourbe. Si, elle est fourbe, la D132, parce qu'en fait, là, il y a D933 et 132 ici. Et... Et en fait, elles se recroisent ici. Donc en fait, c'est rare quand même les deux départementales qui se croisent deux fois. Et là, là c'est un peu fourbe. Parce que les deux croisements, ça met pas hyper bien. Pas en grande forme. Après, les gars, on score. Hein. Honnêtement, on peut pas toujours être en forme olympique. Hein, tu vois. Donc, ça arrive souvent en vrai. Ah ouais? Alors, moi, je le... Ça m'est assez peu arrivé sur GeoGuessr. Après, voilà, on fait 13 points. Hein. Donc, on s'en sort quand même, tu vois. Ça reste, en vrai, ça reste insane. Hein. C'est-à-dire que là, on est quand même très, très bien. Hein. Elle est bien connue pour être fourbe, la D132. Mais on le sait, on le sait. Hein.
Tu trolls, mais après on sait pas où tu regardes. Je voulais installer un eye tracker, ça aurait été sympa. Non, honnêtement, c'est très bien quand même. Faut pas non plus qu'on soit tout de suite... tu vois... Ils sont même coupés et reprennent plus loin. Tu peux pas dire ça arrive souvent non plus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... N'allons pas jusque là, quand même. Une départementale qui se coupe deux fois. Non, non, non. Oh, bande de trolleurs. Oh, c'est pas possible. Oh, vous êtes fous. On est sur les bords de la Loire, là. Magnifique. Pff, sublime, ça. Là, honnêtement... C'est Orangerie, Marche Saint-Pierre, Route Barret, Quai de la République fermée. Je m'en fous, j'irai moi. 05. Pas sûr qu'on soit... Ah, on est à Bordeaux ? À Toulouse ? Niort, Cognac, Rochefort, Royan... On est entre Royan, Île-d'Oléron et New York, c'est au-dessus, New York. Cognac. Cognac, on avait vu que c'était là. Rochefort, Royan. Et l'autre, c'est New York et Cognac. Cognac et New York, qui doit être... Putain, mais New York, il est où ? À 10. À 837. À 837. Putain, on est où ? On est à Sainte ? Et on est à Sainte, il y a la Charente qui passe par là. Je mets trop de temps. Frère, je mets un temps, c'est stratosphérique. J'ai voulu comprendre où on était, en fait. Ça m'a mis un peu de temps. Chanier, Cognac... Par la vallée. Moi je dis qu'on pourrait être à Sainte. Hein. Je sais pas, j'ai un feeling Sainte. Tu vois, Poitiers là-bas. C'est où, Niort ? Ah, c'est là, Niort. Ouais, je pense qu'on est là-bas. Hein. Saint-Jean d'Angély. Je pense qu'on est à Sainte. Hein. Et du coup, je longe. Je longe, il y a un pont. Non, on est plus sur un côté quand même. Pas simple à... On n'est pas là, mais bon. J'ai envie d'y croire. C'est le nord, on n'est pas là, on est plus de l'autre côté, je pense. Je suis juste le boss. Non, bah, je fais 30 mètres, je m'en veux un peu, parce que forcément, je vois une route est-ouest, je me pose la question, et si, finalement, ça passe, quoi, ça passe. Je perds un point, mais bon. Je sais pas ce que va en penser mon coach. Oh putain. Non, là, ce que je me suis dit, parce que souvent, je suis con. C'est-à-dire que tu pouvais pas être là, parce que la route sur laquelle t'étais, elle était. T'es genre, ça allait pas vers le nord ni vers le sud. Donc tu fais S-Ouest. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est S-Ouest ? Là, il y avait pas assez de route pour ça. Là, il y avait un quai, ça semblait être un peu un quai, tu vois. Et là, je pense que c'était trop hors ville. Donc non, c'est pas mal là. Non, honnêtement, ça va, hein. Tu vois, on... Niort, non, mais en fait, Niort, ouais, je savais à peu près où c'était, mais ce qui était chiant, c'est qu'on le voit pas trop, Niort. Genre là, on le voit pas, Niort. Tu vois ? Il faut dézoomer. Mais quand tu zoomes, quand t'es juste à cette vision-là, Niort n'apparaît pas. Parce qu'il y a le marais Poitevin. Mais du coup, faut qu'on se rappelle ces marais Poitevin. Jusqu'à combien de mètres on est ? Je crois que c'est 16 mètres, non ? 4999, comment tu arrives à te regarder dans le miroir ? T'as un coach géoguesseur ? Non, je te relève pas. Moi, ah j'ai... Oh bah non, je fais 20 000. Ouais, en même temps les gars, je fais 20 000 en ayant genre 1000 points choke ici et 4000 points ici. 20 316. On se note. Oh, je vais m'ouvrir un petit géoguesseur. Oh, je vais me faire un G-sheet de toutes mes perfs. Oh, on se le lance aujourd'hui. 20 316 France. Désormais, on fait Europe. Oula, merde. Non, techniquement, on doit régu 23 000. Voilà, 23 000, c'est l'objectif. On se fait un petit Europe, le tableau Excel. Comment tu sais nord-sud ? T'as une boussole en fait, et le truc rouge t'indique le nord, et donc du coup, bah, en fonction de quelle direction, c'est soit l'est, soit l'ouest. Tu as plus ton compteur de PB comme un moment. En fait, le compteur de PB, c'était par rapport au temps, où le but c'était de faire 25 000 points. Putain, mon père se bosse. Alors, mon père se bosse qui me demande des conseils pour un ventilateur. Putain,
Hier, mon père qui a buzzé, parce que c'est vrai qu'on a affiché la conversation de ma grand-mère, toute nouvelle dans le game des téléphones, qui, c'est vrai, sur WhatsApp, a réussi à nous écrire un message des plus compréhensibles. Et justement, je sais plus qui m'avait demandé si j'avais répondu un truc. Mon père s'en était chargé avec un humour digne des biseaux, des plus anciens. Je consulte Champollion et je réponds petit smiley, enfin vraiment l'efficacité du daron. Ici, non, mais voilà, c'est 10 sur 10, beaucoup de gens qui n'avaient pas cette rêve de Champollion. C'est juste beau. C'est très fier du popo. L'humour est palpable. Ah non, ça bosse. Hein. Lis le message. Ouais, vas-y. Mais en fait, j'ai trop de messages, du coup, je peux plus les retrouver. Bah, dis-moi, attends, double cheese. Parce que je sais que tu me l'avais remis, le message. Et c'est vrai que c'est important pour savoir Danemark. Alors. Parce que je crois qu'il me l'avait remis. Je t'ai envoyé toutes les instas, du coup. Alors, Vej, c'est Danemark. Et Veyen, c'est Norvège, à la fin des noms de rue. Gata, Gates, en Norvège aussi. Je t'ai envoyé le message sur Insta, au cas où. Vej, c'est Danemark. Veyen, c'est Norvège. Veyen, Gata, Gate, c'est Norvège. Veyen, Gata, Gate, Norvège. Vej, Danemark. Tu sais, ça veut dire les rues, en gros. Oui, c'est le mec de la pierre de Rosette et tout. Voilà, quoi. 3 minutes 10, 25 000 points GG à lui. Ah ouais. Gata, c'est Suède aussi. C'est pour ça que je t'ai envoyé une autre astuce pour Allemagne, Pays-Bas. En fait, j'en ai beaucoup. C'est pour ça qu'on peut avoir accès à ce document. Oh, là, c'est juste des gens qui m'abreuvent d'informations. Je suis dans le bon truc. On est parti 2 minutes 30. 20 316 en France. Hein. Faut que je me fasse un petit Excel. Allez, 20 316. Et là, je peux déjà vous dire que c'est surprenant. Mais attends, c'est Omega, ça. C'est Égypte. C'est... Pardon. Ça me fume. Parce que j'ai au guesseur, ça te crée quand même une ambiance. Oh, il a dit Omega, c'est Égypte. Mais attendez, on est où? Non, mais c'est Grèce, quoi, ça. Oh, non, mais attendez. Oh là là, il a osé comparer. C'est quoi ça? Non mais c'est Égypte, c'est Grèce ça? Je sais pas moi, j'ai l'impression que c'est Grèce. Hein. De toute façon, Europe, faut pas se prendre la tête, hein. faut juste charbonner du. Ah mais ça c'est trop chiant ça par contre. Faut juste charbonner du panneau. Hein. Ah, faut bouffer du kilomètre là. Tu vois, déjà j'ai perdu 45 secondes. Mais il y avait un drapeau de la Grèce. Il y a un drapeau non? Putain, j'ai vu un drapeau quelque part. J'ai vu un truc blanc-bleu là. Bon, c'est pas grave, je continue ma vie. Ah oui, là? Panneau? Oh, Thessalonique. Porligos, Patras, Thessaloniki. Je me disais que je connaissais. On est entre Saint et Stratoni. Alexandropouli. On est à peu près là, tu vois. À peu près là. Et on va où là? On se tourne à gauche, donc on va à l'est. Ouais, c'est le moment où limite tu dois. En 2 minutes 30. Non, pas tu dois assurer, ça dépend, mais. Là en fait, on va pas avoir. J'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup plus d'informations. En fait, le truc, c'est que là, on voyait la mer. Donc du coup, en fonction de là où on va. Tu vois, je vais nord. Nord vers la gauche. J'aurais pu être genre là, quoi. Sauf qu'on est très très loin, quoi. Donc en vrai, ça peut très bien être aussi le panneau qu'on t'indique à vraiment très 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 haute distance, quoi. Là, je cherche que Stratoni et c'est un peu une erreur. Là, je suis en Eratum, là. Je suis en gros Eratum, là. Je fais de la merde. Parce qu'en fait, il te l'indique de loin, donc... La mer, elle est où, là? Il y a la mer, déjà? La mer, elle est genre à l'ouest. Je sais pas, on est là, du coup. Caterini. Je pense que c'était un peu loin, tu vois. Ah putain, je l'ai pas vu, Stratoni. Bon, 4200, ça va. Faut déjà que tu regardes la carte pour chercher les villes. T'as des montagnes. Ouais, c'est vrai. C'était pas bien joué. Mais ma logique était bonne d'avoir la mer sur la droite, tu vois. Juste, bon, bah c'est con parce que... Parce qu'en fait, la route qu'on prenait... Ouais, mais ça allait vers la gauche et ça allait pas, ouais. Ouais. Ouest à gauche, est égale à droite. Ouais, non, mais souvent j'ai du mal à me repérer bien avec la boussole. Bon, 4002, c'est pas insane.
C'est pas non plus à chier, quoi. C'est un 4002, hein, tu vois, c'est un 4002. C'est un 4002 qui se rentre, on n'a pas l'impression d'être SOS en rouge. Est-ce qu'on a une info là-dessus, SOS en rouge? Pas d'info sur SOS en rouge. On le confirme. Il y a du... A14-300. A14-300. Très bien tout ça. En fait, il nous faut une sortie, là. Là, en fait, le truc, c'est qu'il nous faut juste des sorties, quoi. Et bon, on n'est pas sûr, quoi, de... Ça, c'était du panneau, ça. Ouais, je troll aussi, je vois pas les bons panneaux. Genre, ils ont enlevé le panneau entre-temps. Thermoli. Thermoli. Poggio Imperiale. Lesina. C'est Italie. Thermoli. Ah, c'est pas leur route, ça. C'est pas leur route. Ils ont pas de A300, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui fait un peu italien, mais qui est pas italien? HU. Non, ils ont pas ça non plus. La Croatie? Putain. Slovénie? Slovénie, ils ont des A, mais... Controllo Electronico della Velocita con... Mais putain, mais si on est en Italie, mais... Rien compris. Polizia Stradale. J'ai aucune idée où on est, là, bordel. Très nul, là, ce que je fais, là. Enfin, comme si je vais avoir une info de ouf, là. Elvori... Tenzione. Il n'y a pas un Trapani Ah, je vais cliquer au milieu pour prendre le moindre risque. Trapani quand même, non? Ah, je vais regretter. Ah non, c'était Thermoli. Je connaissais pas Thermoli en Italie. Sicile. Bah, apparemment non. Route verte plus numérie. Moi, là, j'avoue que t'étais sur la 14, Domi. Ouais, mais la 14, tu la vois pas sur... Tu vois? La 14, tu la vois pas sur la carte. C'est ça qui est trop bizarre. Pourquoi on la voit pas? Ah, Autostrada, chez eux aussi. Ouais, je sais, mais en fait, juste, ce qui m'a semblé bizarre, c'est que... Ah, là, il y avait la 1.24, pardon. Mais j'avais l'impression d'avoir vu aucune... Surtout, regarde pas les camions. Ouais, faut que j'arrête avec les camions. C'est le pire truc. Il faut zoomer plus sur la route. Bah en vrai, non. Enfin, tu vois. Faut zoomer. Bah là, j'avoue que... Ah si, là, A14. Ah ouais, mais c'est chaud du coup de le savoir. Hein. Oh. Parce que par exemple, là, on est sur E55. Mais après, ils doivent pas en avoir tant que ça. Et genre E45, ça doit être aussi un... Être à l'autoroute juste à côté. En gros, donc, c'est les routes. Parce que E, c'est toutes les routes européennes. Donc chaque route européenne, en fait, est une autoroute. Bon, eh, on s'en doutait que 841, c'était bizarre. Les routes à... C'est le nom européen. Non, mais je sais bien, mais comme c'est pas le... C'est... La E90, c'est pas la 90 italienne, quoi. Tu vois, celle-là, par exemple, la E90, elle a pas non plus pas une autoroute italienne. C'est... Ouais, c'est pas... Fallait juste te déplacer sur vite sur l'autoroute. Non, mais j'aurais... Faut que j'arrête avec les camions. J'ai perdu beaucoup de temps, là. Juste... En fait, en Europe, faut juste arrêter et se bouffer du... motel, bar, café, diesel, pêcheur, la vase, crasté. Crasté, mais là on a l'impression d'être... Ah, ça peut être bien ça. République... On en c'est Albanie ça, non? Ça m'a l'air d'être Albanie, vu le drapeau. Hein. Ça m'a l'air d'être en Albanie. Est-ce que c'est crasté? Crasté, est-ce qu'on connaît crasté? Crasté, crasté, crasté... Peut-être un tout petit peu plus si je zoome, parce que c'est vrai que ça nous mettrait bien. Cavagé, tac, 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 tac. Non, dommage, on a perdu un peu de temps, là. Ça nous aurait mis bien. C'est pas si grave. Du coup, j'ai l'air d'être en Albanie. Et les mecs ne captent pas, d'ailleurs.
Alors, République, ouais, c'était ministère public, un machin. Adressa, donc c'est Tirana, mais ça c'est pas la capitale. Enfin, c'est la capitale même. Bachilia Klos. Putain, ça met pas bien ça. Bachkia Klos. On a l'air d'être pas mal quand même dans les montagnes. Beaucoup, beaucoup de montagnes. Après, je connais pas trop bien le relief en Albanie, donc. Peut-être ici de base, hein, Kamez, Kachar. Bachilia Klos, là, c'est ça. En fait, il nous faut une route, quoi. Hein. Après, tu vois, quoi qu'il arrive, là, on a déjà le gros, quoi. Mais Europe, je suis pas insane. Hein. Parce que j'essaye d'avancer en même temps, regarder un peu, mais. Ah, là, le truc, c'est que ça va être des routes de montagne de l'enfer, quoi. Je pense que j'aurai pas plus d'infos. Crasté. On est quand même un peu du père dans. Hein. Je pense pas que ça soit si près que ça de la capitale. Je sais pas, j'ai envie de mettre ça là quand même. Hein, j'en sais rien. Tirana, il y avait Tirana marqué. Donc je vais laisser dans. Ah, on était pas si loin. Hein. J'étais dans le coin quoi. Bulkizé, c'était là le truc, leur truc là. Je le voyais le bail. Ah, Krasta, c'était ça. Il y a des failles noires dans le ciel. Tu as un tips pour confirmer que c'est en Albanie. C'est uniquement France, Europe. Je fais le truc en fait, c'est une map France, une map Europe, une map monde. Krasta. Ouais, Krasta. Bon, en fait, genre, j'ai mis. Parce que comme c'est Tirana Country que j'ai vu, je me suis dit ça doit être dans le coin. Mais c'est un peu de la chatte. Hein. Ouais, je sais que c'est la capitale, mais. Mais bon. Le problème de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de pays. En effet. Bon, après, c'est bien. Hein. 4800. Tu vois, j'ai fait deux rounds avant qui étaient pas bons. Là, celui-là, c'est pas mal. Alors, on est reparti. Stock Exchange. Ça roule à gauche. On est au Royaume-Uni. La question va être de savoir où désormais. Dublin. On est donc en Irlande. Là, c'est beaucoup plus facile. N26, N58. Donc là, il faut juste recouper. Castlebar. N26. N2, N machin. C'est pas une qui va direct, donc je pense que c'est peut-être une qui est au nord. Ah, déjà, je perds du temps. J'ai pas l'intérêt de faire ça, en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, putain, bordel. N26, c'est N5, N58. Bah, après, quand t'es juste à côté, Dublin, Swinford, Castlebar. Ils vont bien m'enfiler une, quand même, les cons. Y a pas un truc qui... Ça me dit un truc en plus, Swinford. On doit être loin, mais N58, c'est quoi? En fait, on est loin de Dublin, c'est juste la distance, là. Castlebar, tu vois. N58. On est quand même très très loin, quoi, en fait. Hein. Juste les mecs, ils t'indiquent, quoi qu'il arrive, Dublin, quoi. Westport, du coup là on doit peut-être pouvoir trouver Westport. Ok, on est à Westport, c'est bon, parfait. On est parti là. On est parti. N5, N58, N26. C'est où ces autres infos là? Ça ils disent que c'est sur la gauche. Donc peut-être que nous on est N58, N5 là. On est un peu. Je me la jouais un peu à la zeub, hein. Mais j'aurais pu. Tu vois, parfois je sais pas à quel point ça. Merde. Castlebar, Westport, N58, N5. C'est 59, ça. Je pense qu'on est là. Je pense qu'on est à Foxford. Je vais au sud, il y a l'abbaye. Church of Ireland. Tac, 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 tac. Non, ça, c'est ligne droite. Ah, on était de l'autre côté de la rue. Clean. Clean, j'étais juste de l'autre côté de la rue là, où en fait je venais de là. Et
McLean. Putain, c'était pas simple, hein, parce que c'est vrai qu'ils te le mettent vraiment à l'autre bout de la map, quoi. Dublin, il te l'indique quoi qu'il arrive, en fait, en Irlande. Mais c'est vrai que... Ouais, ça fait place, là. Celui-là, il était clean, mais... Après, tu vois, ouais, c'est vrai que les points et tout, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Pas du tout le Royaume-Uni. Non, mais pas le Royaume-Uni, mais au moins, tu sais que tu vois, t'es bien, quoi. Tu sais que t'es dans le coin, quoi. Ça roule à gauche en Europe. T'es déjà... Au spawn, tu avais l'indicatif du téléphone pour le pays. Ah, je connais pas du tout l'indicatif téléphone et je pense que je la prendrai pas. Hein. GeoGuessr pourrait placer en Thaïlande, t'auras un panneau Dublin à 25 000 km par là. Ouais, c'est clair que... Non, clean là. Clean, clean, clean. Ce qui était pas simple, en fait, c'était trouver soit Westport, soit machin. Et ensuite, bah, c'est autour. Mais c'est vrai que c'était un peu... c'était recouper le truc, quoi. Donc, non, pas mal. C'est le dernier. Oh merde, Sargo. Putain, je pensais que l'on avait fini. Ah, ça déjà, c'est... pick-up. Ok, on est quoi? C'est quoi l'ambiance ici, là? Voilà, bah, c'est une belle ambiance, là. Palmanova. On est en Italie, encore. Via Palmanova. Bon, là, venez, on trouve, là. Pescara. Putain, Verratti. Alors. S5, machin. Ça, c'est l'enfer, ça. Basentana, là. Basentana, Sicano, Potenza. Potenza, ça me dit un truc peut-être, non? Putain, les mecs, c'est pas... C'est une grande ville en plus, ça. Via Zara, via... On comprend pas, les gars, ils annoncent des trucs, on ne comprend pas ce que vous dites. Ils indiquent pas les villes, ils indiquent... On est où, là? On est dans une ville de taille moyenne. Flic, faut que j'avance, on s'en fout de ça. Potenza, mais Potenza, ça veut peut-être dire autre chose. J'ai à Potenza. Potenza, ça me dit quelque chose quand même. Potenza, putain, pile poil. Propre. Ok, on revient du coup. On revient, on a quelque chose ici. Je me disais que je connaissais ce truc. Potenza, machin. Si... Basentana, donc. Sicignano. Sicignano. R05. C'est quoi là, R05? Ce machin, 407. Putain, c'est incompréhensible. Basentana. Basentana qui a l'air d'être de l'UNICEF, parce qu'elle est mobile Santa Lucia. Putain, je comprends rien. Puccino, Battipaglia. En fait, j'ai aucune idée de l'échelle. Je connais pas trop l'Italie, moi. Je connais pas trop, et c'est vrai que... R05, tu vois, ce R05, là. Est-ce que c'est un truc que, justement, on connaît pas, ou qu'il faut zoomer? Non, c'est route européenne, donc non. Je te le mettrais au sud, un peu, Potenza, donc... Je sais pas. Ah, j'ai envie de tout péter, on était dans Potenza, j'ai changé au dernier moment, alors qu'en fait c'était là, c'était là l'endroit. Oh là là, ça rendait fou ça, trop mal joué. J'ai cliqué, j'ai changé, je me suis dit putain c'est au sud. Mais les mecs du coup t'indiquent, non que c'est, en fait c'est la route. T'avais le rond-point vers l'hôpital indiqué. Ah, de Potenza c'est ça? Ah, j'avais le rond-point. Bon après en fait, en vrai en Europe, dès que t'as le pays t'es déjà pas mal. Après on est pas loin quand même hein, du... On était dans le coin, quoi. Mais, et ouais, j'ai pas compris, en fait, parce que c'était quoi, du coup, il t'indique entre deux villes, c'est ça? Le truc qu'on voyait. C'était pour... Ah, c'était le centre-ville qui te disait? Sicignano, je sais pas quoi, là. Après, 4700, ça va, hein. C'est juste comme ça. Je kiffe bien GeoGuessr, en plus, il y a la Zilan, donc... Donc, voilà. Rien qu'à voir la ville, ça carie de fou. Ouais, mais j'avoue que là, Italie... ouais, l'Ukraine et la Russie, c'est grand, ça suffit pas d'avoir le pays. Oui, voilà, aussi, mais... Centrocita, c'est centre-ville. Non, bien sûr, mais en fait, j'avais pas compris qu'on était à Potenza. C'est ça, le bail, j'avais pas capté. Pas très bien joué. 22 361. Bon, après, tu vois, ça reste solide. Hein. 22 361, Europe. Boum. Oh, mais faut que je me fasse un... Oh, si j'ai un modo qui se lance sur un petit G-sheet, là. Ça serait avec plaisir, si quelqu'un... Un truc simple, hein. Run 1, France, Europe, Monde, Total. Boum, et ensuite on cumulera les runs.
Ok, du coup, on va se faire monde maintenant. On va se faire monde parce que là, on se met en condition Zilan, c'est-à-dire... ah non, c'est diversité. C'est diversité. On se met en condition Zilan, c'est-à-dire, bon, bah, on fait exactement le parcours de la Zilan et on verra bien combien... Non, c'est quoi? C'est un monde de... T'as le nez rouge. Ouais, j'ai pris un coup de soleil sur le nez. D'ailleurs, je commence à peler. Je commence à peler maintenant, j'ai pas retenu avant. Bah attends, tiens, je te file VF si tu veux les points. 2316, Europe. 22361. Diverse World. Si jamais, mais un truc, juste un petit truc simple, hein, comme ça je rentre dedans et ça sera parfait, quoi. Merci en tout cas, VF. Bon, bah là c'est le monde entier, 2 minutes 30, c'est le même principe, et on est parti quoi. Et on est juste parti. Alors, on est juste parti, il va falloir se retrouver là. Alors. Alcala, donc là on est en hispanique. Ok, pays hispanique. Oh la vache. Putain, les années 70 là. Ils ont mis un filtre ou quoi? C'est quoi le... Quel est le fuck? 2 minutes 30. Là, par contre, trouver le pays déjà te fait tout, là. Dans les poules, nous, on veut la première place. En fait, tout le truc, c'est de pas de choc, quoi, tu vois. Là, tout comme on a fait 22 000 points, je suis parti vraiment sur la petite route de campagne terrible. Il y avait une route qui donnait plus envie. Il doit y avoir un tips en mode... Alors, en fait, quand il y a un filtre un peu sépia, il faut savoir que c'est l'équateur... Là, je pourrais me dire que c'est une ambiance genre... merde, qui m'a appelé? Ah non. Je pourrais me dire que c'est une ambiance un peu Espagne vers le Portugal, tu vois. Je fais le pire choix, là, vraiment. La route, elle est même pas balisée. J'étais bien. Pourquoi être parti là-dessus? J'étais bien sur une route... C'est très beaucoup de montagnes, un peu sec. J'ai déjà vu ça. Argentine, j'ai l'impression que c'est plus sec encore, quoi, tu vois. Pas un truc avec. Putain, ça fait plaisir ça. Bon petit pays là. Oh, le choc va être massif là. Putain, je foutais ça en Espagne, mais. Putain, j'aurais plus foutu ça au sud, mais il n'y a pas tant que ça quoi. Je sais pas, je peux mettre ça là. Grand truc. Beaucoup de forêt, un peu vallonné. Ouais, ici, un truc comme ça. Ah, c'est de l'autre côté, c'était bien Espagne. C'était où? Ah ouais, y a rien là. T'es entre Madrid et Valence. Ah, j'imaginais pas ça comme ça au-dessus d'Albacete. Ouais, j'imaginais pas ça. Espagne à la frontière du Portugal. Ouais, j'imaginais un truc un peu comme ça, tu vois. La Galice, c'est très verdoyant. Putain, vous êtes forts. Hein. Dans quel niveau t'es mate à Joguesseur? Xav, c'est joué. Gigi a jamais joué, mais du coup, c'est que moi qui joue. Et il y aura Xav et Gigi derrière moi pour m'aider. Mais pays le moins dense d'Europe, l'Espagne. C'est vrai que j'étais, c'est pas trop le coin que j'imagine. Moi, je connais Madrid, un peu la Catalogne. Très vite fait, San Sebastian. Sinon, je suis pas allé plus que ça. Séville, ça a l'air trop bien. Mais sans ligne jaune, c'est... Quand ça parle espagnol, sans ligne jaune, c'est Espagne 100%. Ok. T'as monté l'armoire, mon amour? Oui. T'es la boss. Hein? Parfait. Tout ce que... la bosse. Séville, c'est masterclass. Ouais, ça a l'air vraiment très bien. Il faut utiliser le soleil pour éliminer l'Amérique latine. Elle kiffe bricoler, elle s'est montée une armoire de ouf. C'était pour la mettre dans la chambre. Elle aime pas. Yes. Après, ça va, je sais pas. Mon implication est plutôt, plutôt raisonnable là-dedans. Prends des notes, des conseils en vrai. Ouais, mais en fait, il y a trop de conseils. En fait, c'est ça le souci, c'est que il y a trop d'informations, tu vois. Il y a trop de... C'est quoi le truc du soleil? Je suis curieux parce que ça peut quand même te mettre pas mal l'hémisphère nord ou sud.
C'est-à-dire que tu regardes concrètement. Ça, j'ai pas bien compris. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, j'ai pas compris. Yes, y a pas de soleil. Là, par exemple, t'es baisé s'il y a des nuages. Comment tu... Là, par exemple, le soleil est au sud. Du coup, ça veut dire qu'on est au nord? Ouais, mais merde, là, j'ai des zooms. Ah putain, c'est simple, hein. Soleil au sud, t'es au nord. Soleil au nord, t'es au sud. Et si le soleil est genre à l'est... C'est pas si bien que ça, parce que le soleil... Parce que l'hémisphère sud, c'est vraiment pas si grand. Ouais, non, mais c'est pour éliminer, quoi. C'est dans le nord, c'est dans le sud. Ok. C'est le matin, c'est à l'est. C'est autre chose. C'est autre chose. Moi, je donne l'heure, moi. À l'équateur, c'était la question con que je me demandais. Ok, d'accord. Tu es au centre. Ouais, non, mais... Pour le continent américain. Ligne jaune, en gros, tout le continent américain, il y a des lignes jaunes au sol. C'est ça? Je suis peut-être con, mais ça dépend de l'heure. Bah, est-ouest, ouais. Nord-sud, je pense pas, du coup. Tu peux utiliser les ombres rapidement aussi. Y a pas un chien qui miaule dessus, c'est mon chat. Elle se régale, là, je sais pas ce qu'elle fait. Au Chili, il y a ligne jaune et blanche. Ok. Tu tapes GeoGuessr Tips. J'ai peur, en fait, d'ouvrir ce doc. C'est ça? J'ai peur. En fonction du pays, tu cliques et t'as des infos? Ah, pas mal. Tracker coverage, ça veut dire quoi, tracker? Le WordPress. Start a game. Putain, y'a trop d'infos, gros. Y'a trop d'infos. Après, tu peux vouloir regarder juste précisément certains trucs, mais... Là, c'est pour identifier, quoi. Biélorussie, pas trop. Ah, c'est pas mal, quand même, hein. Have mark node consisting. Oh, c'est pas mal, mais... Ah ouais, c'est... C'est trop stylé, mais ça me crée une angoisse, moi. Les productions d'olives dans le... Oh là là, mais c'est incroyable. Niveau géographie, c'est incroyable. Moi déjà, j'ai envie d'apprendre les départements pour le kiff aussi, tu vois. Mais là, là, j'avoue que ça me... Je crois que c'est la limite, là. Je crois que c'est ma limite, les gars. Ça, c'est pas mal, les types de panneaux, quand même. En fait, il y a des infos qui sont très utiles, quoi. Les différents types d'annonces de panneaux, ça, c'est stratosphérique comme info, pour le coup. Ça, tu vois, ça, c'est vachement bien, ça. Enfin, la typo. Alors putain, faut... C'est incroyable quand même. Overdose d'infos, ouais, un peu. Je regarderai, je pense que je me baladerai dessus. Mais bon, c'est vrai que... Tu vois, c'est le juste milieu entre plaisir et tryhard, quoi. Et j'aime bien tryhard un peu GeoGuessr parce que le jeu me fait kiffer, mais je pense que j'aurais du mal à aller au-delà, quoi. Tu vois, ça, moi, direct, là, je dirais... Copenhague, enfin Danemark. Danemark. Petite Scandinavie. Petite Scandinavie du Sud, tu vois, un truc un peu comme ça. Ça peut très bien être. Non, c'est Banjo, c'est Amérique. On est aux États-Unis, tu vois. Juste à chaque fois que je vois les. À chaque fois que je vois les. Comment ça s'appelle? Non, de Banjo, c'est pas Canada. À chaque fois que je vois des maisons comme ça, là, j'ai l'impression qu'on est Springdale. J'ai pas réussi à lire. Ouais, bon, on est aux États-Unis.
question, c'est où aux États-Unis? Voilà, du coup, faut charbonner là. North South 41. Tac, tac, tac. Oh, l'angoisse. L'angoisse. Attends, 2 minutes 30, c'est pas long quand même. T'arrives, t'es pas spécialement sûr de ton truc. Il y avait des numéros de route, mais bon. T'en as tellement que c'est compliqué aussi de pouvoir faire un choix. C'est très très vert, hein, putain. Ah, j'étais bien dans la ville, je sais pas pourquoi je me suis barré, j'ai pas pu tourner en fait. J'étais bien dans cette ville. Je sais pas, je vais t'envoyer un truc dans le Maine. Grands espaces. Tu sais, parce qu'on avait pas. Je sais pas s'il y avait pas. C'était 41 la route. Ouais, mais c'est pas les routes big big ça. Ça, c'est les micro-routes ça. Adopt Highway. Ouais, c'est bien. Ouais, là on va au nord, mais bon. Je sais pas, West Virginia, un truc comme ça là, sinon. Je sais pas. C'est pas le couloir. Ouais, 41, mais bon, pour voir 41, si t'as pas les gros. C'était le Kentucky, c'était pas loin. Il y a des gens qui disaient l'Illinois collé au Texas. C'est plus verdoyant dans le nord-est des US. C'est genre vraiment plus. Ça a plus de gueule. C'est des plaines. Dans ce coin-là, la Missouri, Illinois. Putain, j'avoue que là, ça m'a désespéré là. Là, ça m'a donné envie de moumou là. Hein. J'avoue que déjà dans l'Est c'est rocheux montagneux. Ah ouais? Ah j'ai aucune idée. Le New Hampshire et tout c'est genre Boston, c'est... J'ai l'impression que la majorité des livres que je lis, il y a toujours une histoire soit dans le Maine, soit dans le New Hampshire, je sais pas quoi. Oh non pas Moumou, hein, un peu Moumou Juju. C'est vers le nord. C'était assez vert non? C'était quand même assez vert là. Mais ouais, bah pas dingue, hein. Pas dingue, pas dingue. Ça s'est passé comment la fin? Oh, hier c'était incroyable. Je sais si, mais on vous met la diff là comme d'hab, Domingo Replay, mais... je sais même pas si je dois spoil, tu vois, parce que c'est vrai que là, c'est... Bon, allez. J'ai perdu tout, là. Attends, y'a pas un drapeau, là? J'ai perdu toutes mes capacités, là. Je me sens partir. Là, dis-moi des trucs, toi. Australie. Voilà, ça c'est parfait ça. Tu vois, moi j'en demande pas plus. On vient. Tu me donnes la ville? Non, non, je force. Hop, et gigantesque. Moi j'en demande pas plus. Petite Australie, maintenant ça cavale. Radio speed, preschool. Envoie la ville. Pas 20 millions d'énormes villes. Oh, par là, je sens sortie de ville. L'erreur. Le con. Je sais pas, j'ai senti une sortie de ville, là. Sortie de ville qui t'annonce des gros ronds-points. Grand rond-point. Vous aimez pas les ronds-points, vous. Pourquoi ils aiment pas les ronds-points? Ça cache quelque chose, quand même. Hein. Oh, là, c'est une grosse ville, là. Là, c'est une grosse ville. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne sur un... Vous donnez pas d'infos, putain, vous donnez aucune info. Junction Road. Y'a zéro info, putain. Mettez des grands panneaux, dites-nous où on est. On arrive dans votre ville, on sait pas où on est. Voilà, vous avez que des rues qui se ressemblent, des lotissements à tout va, là. Nous, on sait pas, nous, on doit se balader, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, moi, qu'est-ce que tu veux que je sache, là? J'ai l'impression qu'on est dans un truc pavillonnaire depuis 20 bornes. Oh, peut-être.
On est où, The Hub? Putain, on est bien là. Mais non, je fais le mauvais choix. Je fais le mauvais choix. Oh, lui, il a une tête de quoi, lui? Lui, il a une tête, je te le dis. Elle est habitant d'Adélaïde. Petite banlieue d'Adélaïde. Un peu plus loin. Genre, ici, à Gawler. De l'autre côté. Oh non, c'est trop vert. Putain, il avait la tête pourtant. Oh, c'est dans la banlieue de Sydney. La vie, ça va trop vite. Non, mais là, c'est... Tu te retournes pas sur les panneaux. Tous les panneaux qu'il ignore. En fait, je sais pas ce que je dois... Genre, quel panneau j'ai pas maté, tu vois, qui est intéressant. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de panneaux avec des infos de merde où ils mettent pas la ville, quoi. 90% de l'Australie sur la côte est. Genre, quel panneau... Tu as tout ça, là. Tout ce que j'ai eu, c'est de la merde. Là, rien. Tu vois, il y a beaucoup de trucs où juste les poubelles d'habitation. Tu vois, bon, t'as du Oberon Road et compagnie, mais c'est pas des trucs, les panneaux routiers. Tu vois, eux, bon, bah, ils servent pas à grand-chose, quoi. Tu peux chatter après, avoir une info, genre en mode... En dessous de The Hub, t'avais la ville, je crois, typiquement. Ah ouais? On est sûr de ça? Je suis pas sûr. Il y avait la ville? Après, j'aurais chopé Campbellton, Tu poubelles devant les maisons, t'as souvent les noms des villes. Je crois pas, non. Ouais, non, mais Mauvais run, là. Mauvais run. C'est pas ça qui va faire qu'on est premier, là. J'ai envie de faire 5000 pounds, là. Ça roule où? Ça roule à gauche. Ça roule à gauche, c'est du British. Il pleut, ça roule à gauche, m'en dites pas plus. Ah, j'ai tout, là. Allez, je vous fais un 5000, là. Kilrea. Historic Town. Putain, il y a une ambiance, là. Il y a une ambiance, je sais pas, c'est bizarre le panneau. Le panneau est un peu chelou. Historic Town, Kilrea, c'est quoi? C'est que c'est... Putain, tout est... mal entretenu, hein. McGreen, c'est mignon, vous. Putain, ils ont les mêmes... Putain, on est où? Il se passe quelque chose de bizarre, ici. Ça roule à droite, en fait. Ça roule à droite? Non, ça roule à gauche. Juste, il y avait un mec en... Gavargue. Non, non, B64. A 29. Non, non, c'est Maghera. Je connais pas Maghera. C'est Irlande du Nord. Ballymolly. Port Glennon. Coleraine. A 54. Belaghi. Port Glennon. Pornil Lounge. Je connais rien, je vais tout droit. Je vais prendre des points là. Putain, je suis perdu. Tout va bien. Kilrea? Historic Town. Il se passait quoi à Kilrea? Fort Neil Lounge. Je sais pas ce que je fous là. Rester en ville était peut-être mieux. Le hint. Chant choc. Je sais pas, je sens l'Irlande du Nord. Non, il double tout en anglais. Il double tout dans une autre langue. Putain, c'était Irlande du Nord. Pourquoi je me fais jamais confiance? Oh, j'ai pas vu Kilrea. On se fait jamais confiance. Oh, c'est le hint. Ah, le hint. Maghera, j'avais pas vu Maghera non plus. Maghera Felt. Ah, oh, j'ai senti l'Irlande du Nord. On a senti. Non. Au moins, j'ai l'inspiration, hein. T'auras jamais un meilleur indice qu'une A29 ici, c'est classé en Irlande, Royaume-Uni, et les Bali, c'est Irlande. Les Bali? Oh, la A29, elle est juste là. Hein. Est-ce qu'il y a une A29 par exemple? Parce que je me suis demandé, c'est... Est-ce qu'il y a une A29 par exemple en Angleterre? Non, c'est global. Ouais. Tous les gens qui... et tous les noms qui commencent par Kill Bali, c'est Irlande.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont souvent ces noms-là. Bon, après... Pourquoi à la fin il bouge sa souris partout? Trop dommage, toujours la bonne intuition. Ouais, c'est vrai, bah en fait, c'est que t'as toujours envie de te dire peut-être que j'ai pas quoi. Peut-être que je suis à côté de la plaque quoi. Oh là là, on est en Isère. Non, il y a trop de trucs floutés pour qu'on soit. Point SI? Point SI, c'est quoi? Ou SL, c'est Slovaquie? Slovaquia? Petite Slovaquia là, comme ça? Ils vont me faire ça, un petit Slovaquie, eux. Ah, propre, le panneau. Ah, il met bien, celui-là. Le gars, on a rien à foutre. Il a une parcelle de terre, celui-là, c'est du Slovaque. Ah, c'est du Slovaque, mais à 100%. C'est là qu'on les reconnaît. Le mec utilise 100% de sa parcelle. Ce qu'il a acheté est à lui. Ah non, c'est très très fort, hein, de... Quoi, c'est quoi, ça? Attendez, pardon. Oui, ok. Je sais pas, j'ai vu SI, c'est des paysages un peu... Tu vois, c'est... Il peut y avoir un truc un peu vers là, quoi. Je sais pas... Mignon, hein. On aurait pu se croire en Savoie, tu vois. Honnêtement, très mignon. Ah, tout cool, j'ai retrouvé une bonne route. En fait, c'est beaucoup aussi la route que tu prends, quoi. C'est énorme. Tranjo. Ça parle quoi, les... C'est ça que ça pourrait très bien être... ça parle comme... Moi aussi, c'est ça, je pense. Hein. C'est quoi, j'attends pas plus. Et je pense qu'on est... Après, on est pas loin de la frontière, quand même. Hein. Je pense qu'on est là. Là. On est en temps en Slovénie. Il fallait que j'arrête cette run. Il fallait que j'arrête cette run. J'ai fait 16 936. Il me faut SL Slovénie, S Slovaquie, SK. Au moins, on le sait. Non, mais il fallait que cette run s'arrête. 16 939. On s'ajoute ça au Google Doc. On repart pour ce qu'on appelle automatiquement la game de trop. C'est vrai que j'ai vraiment le nez cramé. On se refait une run. On se refait une run de A à Z, mais déjà, on va pouvoir avoir des points. On va pouvoir se mettre les points. Voilà, et là, il nous faut un total, là. Là, il nous faut un total. Oh, ils sont en train de nous faire ça bien, là. Oh, Veft qui bosse, hein. Veft qui bosse. Tu vois, mets-moi un petit total ici, Veft, si t'es chaud, s'il te plaît. Comme ça, tu vois, ici, on verra. Et on pourra se mettre quel a été notre PB à un moment ou autre, tu vois. Oh, il va me faire ça très très bien, Veft, hein. Quel crack. Quel boss. Vas-y, on est reparti. France. Et comme ça, je pense, deux runs, c'est le bon bail. C'est pas si mal. Bon, là j'ai fait 37 255 sur 5 ans. Bah non, il y a une erreur de calcul. Non, il y a une erreur de calcul. J'ai fait 59 616. 59 616 sur 75 000. On doit aller chercher, je pense, notre PB, on fera genre 68K. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Seul, face au monde. On est parti. Boum. C'est là, là. Merci beaucoup, Veft. Hein. Le frérot. Mais comme ça, on pourra suivre un peu l'évolution. On se mettra genre les trucs... Oh, on va se faire un petit truc un peu mignon. Tac, 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 France métropolitaine. Ok, on est parti. 2 minutes 30. 2 minutes 30, je détruis le jeu, là. Ok. Allez, let's go. Truc auto... Putain, on est où, là? C'est Valenciennes? C'est France métropolitaine. Place de Bordeaux, Wacken. Non, mais c'est doublé en... C'est doublé, on est près de la frontière, là. On est près de la frontière belge. Mais c'est quoi, cette ville, là? C'est en France, ça? Déchetterie. Mais on est où, là? Ah, parfait. Oh, si, merde. Nancy. Ouais, tu vois, on sentait que c'était près de la frontière luxembourgeoise et tout. D263. Nancy, Metz, A350. A350 A4. L'A4. À Guenot. À Guenot, je vais vers le nord.
Fregeno, c'est tout là-bas. On est à Strasbourg, en fait. En fait, on est juste à Strasbourg. A4. C'est A35 ou A350? Parce que ça a l'air de pas être très différent, mais... Nancy, Metz, Paris... Ça a quand même l'air d'être Strasbourg, là. Place de Haguenau. D263, est-ce qu'il y a un DD263 là? C'est ça la question. D263. Ouais, c'est ça. Hein. Là, j'ai cette grande route. Oui, c'est ça, c'est ça. La question, du coup, c'est où est-ce que... Là, il y a un grand truc avec un... On est dans le coin, là. On est dans le coin. Rue Jacques Cablé, là. Elle est où, la rue Jacques Cablé? C'est quoi ce vieux bruit, là, qu'il y a aussi? D263. Boulevard du Président. Je vais où, là, pour la rejoindre? Je vais à l'est. Je vais à l'est pour la rejoindre, donc rue Jacques Cablé, c'est parfait. Et je suis où du coup? Je fais ça, je vais à l'est et je vais à droite. L'est. Ouah, je me mets là. Je me mets un peu plus loin. Si, je crois que je suis place de Bordeaux, je crois que je suis là. Tac, non, j'ai dû avancer. Je suis peut-être derrière, je suis juste à côté. Ah, j'étais beaucoup plus près. Ah, ça m'a bait. Bon, on est bien quand même. Pire bail de lire les rues, repère-toi au bâtiment. La Banque Populaire en face. Ah, ça aurait pu nous aider. Ah non, mais en fait, c'est juste la machine qui tourne, le bruit. Je comprenais pas, attendez, je ferme la porte. Ok. Bon, pas mal, hein. Quel choker. Rajoute quelques lettres, là, dans ton mot, parce qu'il n'y en a pas assez. Bon. Du coup... Non, bien. 978, dommage. Bon, après, là, c'est parfait, hein, les gars. Honnêtement, c'est pas la bonne map. Si, je suis France Métropole machin, je crois. Je crois que c'est ça, hein. C'est le bon, là. Mais, belle isolation phonique. Bon, après, mais c'est très loin. Ça sera la map diversité française de Mapper. Non, c'est France Métropolitaine. Ils ont dit, si, j'ai le bon truc. La déchetterie. Il y avait la marque la déchetterie? Ah ouais, la déchetterie du Wacken, là, de l'autre côté. Bon, merde. Bon, après, c'est très bien. Il y avait plus d'indices. 4978, les gars, on s'en bat les couilles. Hein. Moins d'un kilomètre, c'est génial, tu vois. C'est vraiment... Saigon, ok, on est dans le 13. Rue Baudricourt. Pas dans le 13, là. Tac. Voilà, c'est cadeau. Hein. C'est à Paris, avenue d'Ivry. Ivry, ça doit être celle-là. Avenue d'Italie. Celle-là? Avenue de Choisy. C'est laquelle, l'avenue d'Ivry? Avenue d'Ivry. Ah bah c'est celle-là. Non, c'est rue de Patès. Hein. C'est laquelle, l'avenue d'Ivry? Je sais pas. Bon, après, on a juste à... on va où? Au nord. Nord. Croisement avec rue de Tolbiac. Ah oui, on est plus en... Putain, c'est où la rue de Tolbiac déjà? Alors, attends. Tolbiac. Parfait. Et l'avenue d'Ivry. Avenue d'Ivry, elle part de là, en fait. Ok, rue Baudricourt, on est juste là. Bon, juste histoire de gratter 5000 points. Bon, Paname, après, c'est tranquille. Hein. Paname, pour le coup... En fait, ça tombe très peu, comme c'est France métropolitaine. Mais déjà, c'est facile parce que c'est aidé. Mais c'est vrai que toute la ceinture parisienne, ça devrait aller... Bah, je suis de là, après, donc c'est comme d'hab, quoi. Tu connais forcément le coin dans lequel t'es, quoi. Si t'es de Savoie, forcément, ça va te parler les villes de Savoie, quoi. Mais bon. Est-ce que le temps aura un impact sur les scores? Non. C'est France métropolitaine, la bonne map. C'est celle sur laquelle je joue. Donc tout va bien. En route. 5000 points, on a fait deux bons scores. Mais c'est rare du coup, parce que c'est vrai que... Le Wuchik!
Ok. La cano. Oh, non, là, c'est trop facile, là. Là, tu vois, typiquement, je pense que... c'est où, la cano? Attends, Bayonne, Biarritz. Osgore. Putain, mais je connais la cano parce que j'ai des potes qui y vont. Mais je sais pas exactement où c'est. La cano. C'est pas sur la côte? C'est pas genre vers Osgore et tout? Ah bah merde. Putain, pour moi, la cano, ça, c'était là, moi. Ah bah merde, je savais pas où c'était, du coup. Ah bah c'est con, ça. La cano, océan. Ah, c'est du 33, non, ça? Camping de ski. Le Moutchik, la cano, océan. Putain, je connais pas où c'est. Bon, pas de panique. La cano, océan, 6 km. Ah non, mais là, j'avoue que... La cano, Biscarros. Pour moi, c'est dans le coin, quoi. Ah, parce qu'il y a peut-être un Lacano et ensuite Lacano. Ah, pour moi, c'est là, c'est dans le coin. Lacano. Ok, parfait. Là, c'était le Moutchik. Là, ils disent c'est quoi? C'est D6. Là, il doit y avoir Lacano Océan. En gros, il y a un giga rond-point. Non, je pense pas que ce soit ça. Quoique. D6E4. Non, c'est D6E1. D6E4, là. C'est un peu ce rond-point là, je pense. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de D6E4. On va au nord, nous. Non, c'est là. On est juste là, nous. Ah, oh, merde. Un peu pressé, mais... Ah ouais, putain, je retrouvais plus... Bon, clean, ça. Je retrouvais plus où c'était, la cano. Ah, il y a l'étang, en plus. Putain, je m'étais même pas aidé. En 70 mètres, mais... on était un peu plus, quoi. On perd 3 points, on s'en fout. On perd 3 points. Le grider fou. Et c'est vrai qu'on aurait pu gratter pour 3 points, quoi. On aurait pu gratter pour 3 points. Ça a l'air cool. De toute façon, les Landes, même Côte Basque et tout, c'est lourd, hein, quand même. C'est en ça t'es fort. Ah non mais ça va être premier les potes hein. Premier de GeoGuessr hein. Donc tu vois direct avec les pains. Ah ouais excellent. Ensuite il y a où t'es quoi. Donc France métropolitaine. Par contre c'est vraiment pas une map de fou. C'est fou l'île de France. Ah bah c'est la première fois que je tombe sur l'île de France juste avant là. Bon allez on va chercher le 14 900 et quel quoi. Il y a Justin étoile quoi. Justin mais on donnera le max les gars. Hormis eux deux, on prend tout le monde. Voilà ce qui se passe. Ah là, on va pas se régaler, là. Derrière le Camtar. Ça c'est quoi, ça, par exemple? Parce que ce qui est fou, c'est que les mecs, genre, vraiment... moi, je joue à GeoGuessr, tu vois. Mais les mecs, genre, Justin, là, je pense qu'avec la végétation, il sait où on est, quoi. C'est là où c'est un peu taré, quoi, le truc. Ah oh, oui, ils ont réussi à passer devant. Oh, et en plus, il y a un croisement. La vie est belle. Saint-Jean-au-Bois, Pierrefonds, Morienval, Crépy, Gillaucourt, ça me dit rien. Ça me dit rien, pourtant c'est... Compiègne ? Oh le feu ! Oh Senlis, ça me dit un truc aussi. D332 ? C'est pas le bon Compiègne, non ? C'est trop chelou que qu'il soit pas un fichier en plus gros. C'est trop chelou. D322, un ami. Est-ce que c'est 60? Ça c'est terrible ça. Ok très bien.
pas le bon bail. C'est pas le bon bail. Si, des 332. Entre Gillaucourt et machin. Du coup, je suis allé à l'ouest. Non, je suis allé au sud. Pour trouver la D332. Ah, il y a Gillaucourt, je sais pas où on est exactement. Je suis allé au sud, donc je pense que... Ah, je sais pas. Comme d'hab, j'aurais dû rester... Ah non. Ah si, j'étais... Ah, ce que je me suis dit, c'est que je suis allé au sud. Ah merde, j'ai paniqué. J'ai paniqué. I panicked. Bon, ça va en vrai. En pleine forêt, ouais. On était vraiment en pleine forêt et j'avoue que j'ai noté un truc comme... En fait, le truc, ce qui est chiant, c'est que parfois, t'es en pleine forêt, mais y a pas spécialement le côté pleine forêt sur la map, tu vois. Parce que juste, va savoir, ta forêt, c'est genre juste, tu vois, autour d'ici, quoi, tu vois. Ça, c'est un parc, tu vois. Ou alors, peut-être que si, et que je me plante. Je sais pas. T'aurais pu le prendre... Ah, c'est vrai que j'avais pas la D85. Enfin, j'aurais dû faire ça. Non, j'ai pas bien joué, là. Là, on perd 300 points. Là... On perd 300 points bêtement. Mais bon, ça reste ok quand même. 4700. Oh mais là c'est trop bizarre. On est à Lyon, non? Ouais, on est à Lyon. C'est le Giga Tunnel, non? C'est pas lui. Parce que moi j'y ai jamais je suis allé quelques fois mais j'y ai jamais vécu. Attends, on est d'accord qu'on vient de passer. Non, c'est pas celui-là, là. Mm-hmm. Saint-Just, Fournier, mais c'est pas mal, là, non? C'est Nord. Je pense qu'on est à peu près là, hein. Je pense que c'est à peu près ça, non? Je pense que c'est ça. Et on est peut-être sur le petit. Je pense que c'est... Je pense qu'on est là. Oh, ça va, laisse-nous vivre aussi. Laisse-nous vivre. Bon. Tunnel de Fourvière et Perrache. Bon, bah, clean. Clean, 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 hein. On fait combien de points? 24 742. Eh. Hey. 24 000... Oh là là, mais ça s'est régalé, là. Oh, c'est à deux doigts. Veft qui est à deux doigts de... Sur ta map, tu tombes bien plus en grande ville que dans la map de Mapper. Vous pensez que j'étais dans la mauvaise map? Il y a les croutons qui vont game, je pense les analyser pendant le récap. C'est parfait, Xav. Un très bon récap à toi, du coup. J'étais pas sur la bonne map. Ah, putain. C'est pour ça que c'était trop facile. Il y a eu trop d'endroits trop OP. C'était trop facile, là. Putain. Je me disais aussi que c'était trop... C'est trop bizarre. On est tombé une fois à Paris, une fois à Lyon, une fois à Lacanau. Aïe aïe aïe. Bah ouais, c'était chelou. En fait, c'est France, entre parenthèses, métropolitaine. Et moi, j'ai cliqué direct. Ah, envie de moumou. On te l'a dit, on l'avait call. Ouais, ouais, je sais, mais comme d'autres gens m'ont... Ah, ça repart à zéro, du coup. Ah, ça repart à zéro. Petit TM. Ah non, non, là, on est en... C'est un véritable clou de clim. Ah ouais, là, un peu, quand même. Bon, c'était pas mal, quand même, quoi. Ah, là, je la retrouve bien, ici. Du rien du tout. Mais ouais, c'était bizarre de pas avoir... Mais voilà, du Moulérol, là. Qu'est-ce qu'on se fait chier à avoir des grandes villes alors qu'on peut être à Florentin, à Moulérol, dans du champ. Nous, ce qu'on aime, c'est le champ. Il y a des... C'est quoi? C'est des vignes, ça? Voilà, putain. Ça, c'est bon. Pas de panneau, bordel. Nous, on veut pas de panneau. Cap découverte. Putain, c'est quoi, ça? Cap découverte. C'est les panneaux des bords d'autoroute, là. Allez. Oh, sur Tarn. Tarn, c'est 83 ou 84. Si c'est sur Tarn,
Marsac sur Tarn. Eh, j'arrive hein, quand même. Hein. Attention, hein. Des 23, des 24. Attention, hein. Attention au gars, quand même. Le gars n'est pas du tout là pour blaguer, quoi. Des 23, des 24, ça c'est du Florentin. Non, non, il y a un moment où il faut se dire les choses. Voilà, là c'est la D24 depuis le début. Florentin, la grave. La grave, c'est là. Nous, c'est D24. Du coup, c'est là. Où est-ce qu'on est parti par où, nous? On est parti par là. Bois grand. Bois grand, bien sûr, c'est sur aucune map. Hein. C'est D24 ou D23, nous? D24. Au sac. Orban. Voilà, ça, c'est du... Du bon rien du tout. On est beaucoup trop loin, là. On répond présent, quand même. Voilà, c'est là, là. 0-7. Florentin, c'est à 3 bornes, quand même. On est bien sur la D20... D22. Ah, ils sont bons, ceux-là. Ah, mais attends, je sais même pas où... Je sais même pas comment on est censé faire, là. D22. Nous, on est vraiment D22, quoi. On est D22 et ils te disent Florentin, quoi. Je pense que c'est ça. No joke, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est là. Et on a une rue qui vient de là, là. Ah, putain, c'est la mauvaise intersection. Non, mais là, c'est... Attenzione. Attenzione. T'es à côté de l'autoroute. C'est vrai que l'autoroute est D. Mais non, c'est quand même beau, là. T'as beuteux, coach. T'as beuteux. La Team Pax au sommet. Non, mais moi, je veux juste qu'on fasse premier. Ça va être notre... Ça va être notre endroit où on va briller. Imaginez, je fais tout ce training. Arrivé, GeoGuessr, full... C'était écrit grand bois. Ah ouais, c'était écrit? Ah, le bois grand. Ah bah oui, c'est con. C'est toujours... tu vois, ça pourrait être fou et c'est... Bon, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Parfois, les tout petits panneaux, c'est noté comme des rues. Ouais, c'est ça, en fait. C'est noté comme des rues et c'est pas des... Parce que du coup, il doit y avoir, voilà, 3-4 maisons ici. Et ça, c'est le bois grand, quoi. Ça, c'est Louis III, tu vois, c'est... Non, non, là, honnêtement, on peut le dire. Tu vas forcément finir premier, tu es déjà le meilleur joueur mondial. Bon, un petit patelin déniché. Oh, et du Saint-Martin sous bois, la jaillette. À virer. Oh, j'adore. Ah, oh, j'adore. Ah, oh, là, c'est... Pff, magnifique. Magnifique. Là, honnêtement, c'est avant tout du plaisir, quoi. C'est du plaisir, c'est de la départementale, là on sait pas où on est. Mais ouais, moi je m'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais pas dans les grandes villes, dans les machins. On a besoin de petits patelins, on a besoin de contact avec la terre. Là. Bien sûr, si j'ai cru qu'il n'y avait pas de panneau. Oh, Louvaine. Louvaine la terrible. C'était un chat? Ils l'ont écrasé? Petit cimetière à Louvaine, propre. Ça respecte. Petite église. Montreuil sur, sur M. Ségré. Des 180, des 280. C'est quand même du rien. Là, j'avoue que... Est-ce que j'aurais pas dû essayer de rester un peu plus, trouver peut-être un panneau, au moins un numéro de téléphone, un département. Après, ça avait pas l'air d'être non plus commerce... ambiance gros commerce, quoi. Tu as une minute, t'as pas d'infos. Pas rien, bon. T'as pas l'impression que tu vas en avoir. J'ai vu un panneau à droite, mais... Je vais avoir rien du tout, c'est un putain de tracteur. Qu'est-ce que tu veux que je... En fait, il y a des moments où tu sais pas si tu dois revenir en arrière ou pas. Et là, on commence à se le demander. Segré, Anjou bleu. L'Anjou, putain, l'Anjou, c'est où? L'Anjou, c'est pas genre Le Mans et tout, là? Anjou-Touraine. Au moins, on est à peu près dans le coin, quoi. Commune agricole du Ségré. Saumur, Saumur, Loudun, Vitry, Angers. Cholet, Nantes, Laval, ça c'est au sud. Cholet, Cholet, Nantes, peut-être un peu plus là, du coup... La mériterie, Tufalon, machin en danger, Château, Laval, 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 Laval. Avrilé, 3 km d'Avrilé.
3 km d'Avrilé, je me mets dans le coin d'ici, Longonnet en Anjou. J'étais de l'autre côté. Putain, c'est gris, j'étais de l'autre côté d'Angers. Je sais pas pourquoi, je suis trop bête, je me voyais... C'est bien vert en tout cas. Ouais, comme c'était vraiment vert, je me voyais... Tu vois, typiquement, comme tout était vert, je me voyais dans le vert, tu vois, dans la forêt. Or que non. Or qu'en fait, tu vois, sur la map, t'es là, quoi. Et bon, bah, tu te doutes bien que là, c'est pas du béton non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est de la nature et tout. Et on avait le en Anjou, en Anjou. Les trucs en Anjou, c'est au-dessus de l'Anjou, en fait. Ah non, Beaufort en Anjou. Machin d'Anjou. Ok. C'est gris, on le voit de loin sur la map. Non, non, mais de fou. C'est gris, on le voyait de très haut. Juste, j'ai cliqué sans... Ouais, des trucs à faire sur Cholet la semaine prochaine. On part en week-end pour l'ascension. Si quelqu'un peut l'aider. T'étais en campagne, pas en forêt. Ouais, ouais, de fou. Vert, c'est forêt, donc vraie forêt. Là où sinon, t'es en campagne, donc justement, ça doit limite t'enlever ça. Je suis pas en forêt, je suis dans les champs. Bon, perds 1000 points là-dessus. On peut pas perdre plus. Marigneux. Ah oui, là, j'adore. Crécieux. Mais attends, je suis rentré dans la matrice. Saint-Martin de Bavel. Alors moi je suis team Crécieux là. Il y a 3 villes à 2 km. Ça va être 3 patelins mais... On va à l'est là. Oh. Cusieux, Vizieux, Chazet. Ah mais là ça m'emmène... Ça m'emmène dans du village là non? Voilà, il y a un peu de montagne. Le truc, c'est que nous, en France, il y a tellement de... Tellement de climats différents, tellement de... De paysages différents et tout, que c'est trop stylé, mais c'est dur de s'y retrouver. Après, on va pas s'en plaindre, hein. Cusieux. Faut être team Cusieux, en fait, là. Belay, Chazet. Cusieux, Cusieux 07. Artemar, c'est la ville la plus loin. Artemar... Le kiff d'être en moto dans ce genre d'endroit, je pense. On va pas passer Cusieux, quand même. Si. Mais Cusieux, ça a l'air d'être solide. Ah, ils m'ont menti, Cusieux, c'est de la merde. Mairie, salle d'activité, hein, c'est peut-être plus loin. Ça y est, c'est fini, la ville, là. Oh, c'est terrible. Comme... Ah, mais attends, mais tout est lié à Cusieux, et Cusieux, c'est genre une rue. Là, en fait, il me faut déjà un numéro de téléphone, je pense. C'est vrai qu'en fait, je veux apprendre les départements, mais les départements, t'en vois très peu, quand même. Pff, j'en sais rien, putain. C'est quoi, on est dans le Massif Central ? Puy-de-Dôme ? C'est rien du tout, moi. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. Allez, aidez-nous. Artemar. Amber, machin... Ah, j'ai pas. On est pas en Ardèche, ici. Non, ça ressemble pas à là non plus. Chez App. Ah, oh, si, on était là en plus. Ah, oh, je sais pas, c'est trop dur, là. C'était trop dur, là. C'est trop dur, honnêtement. C'est quoi, c'est l'un ça? Ouais, c'est l'un. L'un, c'est trop dur, gros. C'est vraiment. Et c'est des villages en quoi? Tu galères. Bah là, ouais, un peu, ouais. Blesse en yeux. Conzieux. Il n'y a pas 20 000, hein. Oncieux. Ah, quand même un peu. Césarieux. C'est vrai, Paulieux. C'est vrai qu'en yeux. Massigneux. Ah, c'est vrai que quand il y a du yeux. Périeux. Bon, du EX là, mais. C'est vrai que Yeux, c'est genre un mix de 1 Isère là. Les montagnes. Ouais, je me suis dit Massif Central, tu vois, il y a des montagnes, mais. Pas mal par contre le tips là sur le Yeux. Putain, je pèle du nez. Yeux, c'est partout, père. Ouais, c'est vrai aussi, mais. Si tu vois des montagnes avec roches apparentes, t'es pas dans le Massif Central. En fait, ouais, je connais tellement pas le Massif Central que... Quand tu dis avec roches apparentes, c'est quoi?
Ça a quand même des belles têtes de volcans. Ouais, c'est vrai. Des falaises comme t'avais au nord. Putain, j'ai hint là. On repart. On repart au charbon. C'est plat là. Hein. Putain, c'est vrai que... Après, encore une fois, hein, on va être dans la même galère que les autres, quoi. Juste, en fait, c'est pas possible. Il faut qu'on se dise ça. Il nous faut toujours au moins une info. Un numéro de téléphone, un truc qui fait que... Là, on a vraiment hint, là. J'ai même pas vu le panneau. On s'en fout de ça. Tu vois, là, il y avait un numéro, là. Il y a pas un numéro, là? Putain, j'ai cru qu'il y avait un numéro. 03. Tu vois, ça... Ça, c'est le minimum syndical qu'on doit faire. Parce que sinon, c'est trop incertain, en fait. Et ensuite... Putain, ça aurait été propre de pouvoir trouver un petit code postal, là. Après, bon, c'est pas comme si, là, il y avait l'occasion et que je l'ai pas eu, quoi. Florine Game. Putain, Florine Game, ça me fait penser à une ville genre... On est vers Épinal et du coup, il y a une ambiance un peu allemande dans le coin. Je sais pas, je propose. D70. Perne en Artois. Parce que ça, les briques, c'est plutôt nord, un peu de la France plus. Plus dans le nord que allemand. Saint-Paul, Perne, Perne-Centre. Oui. Ça, c'est les panneaux. Saint-Omer, putain, on est de l'autre côté. Saint-Omer, c'est pas là? Si, Saint-Omer, c'est dans le coin là. Je sais plus où, mais c'est dans le coin là, je le sais. Hasbrouck, à 25. C'est où Saint-Omer, putain? A 26, Hasbrouck. Mais Hasbrouck, c'est là-bas! Ah! Ah, oh, j'ai cliqué au pif. C'est où Saint-Omer? Berck, le Touquet. C'est pas à la mer, Saint-Omer? Ah, oh, c'est là, Saint-Omer, putain, c'est sous Dunkerque. Aïe, 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 aïe. Saint-Omer et Hasbrouck, c'était là. Ah bah ça m'aurait pas aidé de dingue. J'aurais pas trouvé qu'on était à Perne. Perne on pouvait pas le voir de... Saint-Omer c'est tout sauf la mer. C'est horrible. Je sais pas pourquoi j'avais une pote de Saint-Omer, j'ai cru que... Voilà, je flanche. Hein. Je flanche là. Hein. Là, Pas-de-Calais. Artois, région d'Arras. Ok. Ok. Esco. T'as vu les noms sans trompeur. Homer, mer, bien cognitif, on te pardonne. Les villes en game. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait... Tu sais, Florine Game, ça m'a fait penser au début un peu à Alsace. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas autour de Lille. Marc-en-Barœul. Et Marc-en-Barœul, ça brasse là-bas. Hein. Là-bas, ça rigole pas. Épinal, hein. Allemand, bof bof. Non, pas allemand, mais dans le coin là où t'as du... Ouais, non, c'est pas vers Épinal, c'est pas ici en fait. C'est pas dans les Vosges. C'est dans les Vosges du Nord. Toutes les. Ouais, mais c'est beaucoup plus marqué allemand, quoi. Oswiller, Erkatswiller, Wenenswiller. Nelsinho, merci pour le sub. Alsace, c'est plus AIM. Ah là, c'était HEM tout court. Tetten Game. Ah oui, c'est vrai que Tetten Game. C'est où Tetten Game? Putain. Moi, je suis un Dunkerquois de. D'habitation maintenant. Marc Sabras, c'est plus flamand. Ok, ouais, ça fait Belgique plus. Game, c'est alsacien. Game, c'est flamand. Ah, ok, j'ai, ouais, c'est le I en plus, quoi. Reste tranquille avec les Allemands. À quoi? Qu'est-ce qu'il se dit? Zuidkout. C'est pas la station Zuidkout de l'autre côté, là? Ah non.
Un an. C'est la Haute-Moselle, ouais. Ouais. Bon, vas-y. Putain, pas dingue, quand même. En même temps, difficile. Bon, on apprend, hein. Je pense qu'on apprend. On se dit ça, on apprend. C'est quoi, ça? Vos polices de merde! Ça nécessitait pas autant de haine pour la ruche gourmande. C'est 0-3? C'est peut-être 0-3. La ruche gourmande. Putain, faut connaître, hein, quand même, hein. Mais on voit pas, voilà, on voit pas, je me permets de leur dire. La police empêche de la lisibilité. Ah, ça. La Ferté-Loupière ! Saint-Martin sur One. Oh, c'est quoi One ? Ah non, One. Mais attends, je vais aller à Saint-Martin sur One, en fait. Ce sera peut-être mieux. C'est quoi One ? Putain, j'ai déjà connu ça. One. Les One là. Ah, Lou en cuiseau, celle-là. C'est deux villes. Ah, c'est genre ils ont fait Nard-l'Avignon, quoi. C'est pas plus bas, One. Mais il y a plein de petites villes qui s'appellent One à même endroit. Juste cliquer. Ah ouais, là je suis en perte de mes moyens. Peut-être trop de Geoguessr. Peut-être trop de Geoguessr. Saint-Martin sur One. Putain, je sais plus où c'est. Si je me suis mis 0-3. Rue de la mairie. Il me faut un numéro de tel, en fait. Il me faut un numéro de tel. Charny, Saint-Denis. Oh, ouais. Toussy, ça dit un truc aussi, Toussy. Péreux, Sommes. Péreux, Sommes. Rony, Saint-Écluse, Sainte-Écluse. Voilà, on est. C'est loose là. Ah, oh, j'ai hint. Je sais pas. J'ai le seum parce que quand je vais retrouver, je vais dire. Ah oui hein. Non, c'est pas plus genre là. Sur Loire. C'est dans un truc vert en plus. Il y a du one à tout bout de champ. Pas un seul one. Quoi ? On était là, nous ? Toussy. Ah, c'est Lyon. One, mais c'est où le one, là ? Ah, j'ai re-switché au dernier moment ? Le curseur presse dessus. Ah, j'ai switché vraiment au dernier moment ? Comme d'hab. Il n'y a aucun one, en fait. T'avais mis ton clic sur Toussy. Putain, je suis vraiment un chien. Je vous mettrai le eye tracker. Faut juste que j'installe ça, là. Faut que je me chauffe. Ouais, je suis un peu flingué, là. Là, j'avoue que on a fait vraiment la pire run. T'as pas reconnu les alentours d'Auxerre. J'ai pas eu la chance, malheureusement, d'aller boire un petit godet de... Petit côte de Beaune, là, avec le Girou. Il y a aucun one, en fait. Ils sont où, les one? Je n'arrive pas à retrouver. Tous les... Genre vraiment, tous les trucs là qu'ils m'ont dit. Il y en a aucun. Sommes, Mairie la ville. Ah, sur One, il y en a un. C'est quoi One, du coup? C'est une rivière. Ah, l'One, c'est ça. Du coup, c'est une petite rivière. Qui fait tout ça. Ah oui, c'est pas non plus insane, quoi, le... Ouais. T'as avec Xav et qui avec Gigi aussi. C'est une chanteuse. Vous êtes bon. Ouais, bon, bah, nul. Là, la fin, 15 000 points. 17 000 points. Un peu nul, là. Peut-être trop de Geoguessr, là. Là, je sens que je suis peut-être à ma surcharge de Geoguessr. Et il faut pas... Il faut pas non plus... Il faut peut-être pas trop surcharger, là. Mais bien sympa quand même. Bien sympa quand même ce petit training, parce que là je sens que je vais plus en apprendre, tu vois. On se fait diversité. GoTM, ouais, je vais GoTM là. Je vais GoTM. Jure, tu fais la Zilan. Ah ouais, on a même fait un petit
un petit petit trailer. Oh putain. Holy shit. On est où là? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Chine, c'est pas Street View V. Tu vois, on doit trouver le pays là, on se dit. Chine, pas Street View V. Coréen, ça ressemble pas à ça. C'est pas du... C'est pas la même ambiance que... C'est pas un truc genre Taïwan? Je mettrais Taïwan. C'est Japon. C'est énorme. Putain, c'est du japonais, ça? Ah, le Z, là, je l'avais jamais vu. Ce Z, là, là. C'est hyper commun? Japon direct. C'est du japonais, ça. Ah, je sais pas, moi, je... T'as trop all-in. Non, mais là, c'est juste pour... Juste, on finit juste en regardant un peu autour de nous et en cliquant au pif, quoi. On va juste aller chercher là, le truc en face, parce que là, j'ai pas assez d'infos. Stain. Tu vois, là, ça peut être... Slain. Ça va envoyer du... Vous auriez dit nouveau au Mexique, vous? C'est vrai que ça roule à gauche. Oh là là, c'est beau, ça. Ça roule à gauche. C'est où? C'est Australie, ça roule à gauche? Ou c'est Afrique du Sud qui ça roule à gauche? C'est quelle ville qui roule à gauche? Enfin, quel pays, pardon? Vous m'avez dit tout est côte est, quasiment. Les deux. Ah, ok. Ouais, je sais pas. C'est une route qui fait. On va mettre ça là. Dommage. Ah, c'est con. Ah, c'est con. Ouah, ça c'est beau ça. Kirkstead. Ah. Kirk. Kirkstead, je t'envoie ça. Juste là, là. Putain, dommage, c'était Écosse. Enfin, c'était Écosse. C'est où la limite exacte entre la frontière? Ah, c'est là, la frontière. Oui, c'était Écosse. Ouais, ça fait plus étendu. C'est vrai que ça faisait plus étendu écossaise. L'Écosse, moi, je l'imagine vraiment comme ça, quoi. Giga paysage et... Ah. L'Irlande, c'est archi plat. Et l'Écosse, il y a des montagnes, c'est ça? C'est sympa, n'empêche, on apprend la vie un peu. Hein. Avec des lacs. Ouais, mais c'est vrai que tu vois, sur la map, tu vois, je voyais limite plus de lacs côté Irlande, là, comme ça, que... Non, c'est pas plat, l'Irlande. Ouais, non, mais... C'est traduit. Ah, mais ça, c'est Taïwan, ça, je crois. Parce qu'ils traduisent en anglais, je crois. T'en montes? Ah, vous avez mis Corée du Sud, vous? Vous avez mis Corée du Sud? Rond égale coréen. Ah, le petit rond ici, là. L'écriture coréenne. Et vous l'aurez mis où? Ici, ça vous va? Je pense que ça nous va. Putain, vous êtes bon, vous êtes bon, vous êtes bon! Ça, c'est le classique Amérique du Sud, mais... comment? Comment ça? Pourquoi? Putain, ça peut tout être, hein. Las Rodgadores. Moi j'ai besoin de m'inspirer des gens là. Est-ce que c'est Bolivie ça? Est-ce que c'est pas Bolivie ça? Est-ce que c'est pas Bolivie, un truc comme ça? Aux Philippines, vous pensez ça parle espagnol? Qu'est-ce que vous me dites? Parce que c'est vrai que là il y a quand même de...
Pourquoi il parlerait espagnol aux Philippines? Attends, j'ai envie d'apprendre un truc de fou là. Parce que ça, c'est très. Ça, c'est très Asie du Sud-Est, ça, par contre, mais. C'est une ex-colonie. Ah ouais? Mais là, vraiment, tout est en. C'est même pas doublé, quoi. Tout est en espagnol. Par curiosité. Grande Campagna. Non, tu vois, il aurait quand même mis un minimum. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de. Non, non, pour moi, c'est trop dur que ça soit. Après, les tuk-tuk, c'est pas que forcément les du Sud-Est, quoi. Ah, je sais pas trop. C'est vrai que le Pérou me plaît bien, moi. Je voyais bien un peu de. Un petit Pérou pas loin de la Bolivie, tu vois. Ah, vous avez vu un maillot de foot? Bien joué le pays. Après, Milborn, il parle espagnol aux Philippines. Ok, je savais pas. Je savais pas. Enfin, juste par curiosité, parce que c'est sympa quand même. C'est Inde, non? Inde, c'est pas Street UV? Que c'est quoi ça, c'est... J'ai limite pensé à... Non, c'est Indonésie. C'est Indonésie. Je pense que c'est Indonésie. Oh merde, c'est Malaisie. C'est Malaisie, putain. C'est Malaisie. Indien, un trait tout le long. Ouah. Beau paysage. Il se tourne le panneau. Afrique du Sud. Afrique du Sud, hein. Afrique du Sud. Pas loin de Lesotho. Ah non, c'était les Eswatini. Parce que souvent, il y a Lesotho ou Eswatini. C'est pour ça que j'ai foutu ça pas loin. C'est les deux... deux enclaves. Tenda El Nanzal. Tienda regalito de Dios! Dur de faire la différence quand même au pays sud-américain. Sandro, c'est. Ah, c'est gmail.com. Ils nous aident pas là-dessus. Ils sont bons. À Puerto de Iztapa. Iztapa. Mexique, Colombie. Ouais, Mexique, vous pensez, vous? L'avenir, on se balade juste vite fait. Banrouin. Men's Boutique. J'ai l'impression que le Mexique, ça vous a chauffé comme idée. C'est difficile, je trouve, de faire la diff entre les différents pays sud-américains, quoi. Partage la même langue. C'est toujours un peu la même ambiance, très hispanique, quoi, sud-américaine, qui... Les motos Guatemala. C'était écrit Medico, pas Américo. Moi, je le verrais pas trop comme ça, ouais, le Mexique. Mais après, bon, je. La tête est tellement grand aussi que. Il y a la mer à droite. C'est vrai, ça. Monterrico. Où est-ce qu'on fout ça? Le Guatemala, j'ai l'impression qu'il y a une petite team Guatemala qui m'a plu. J'ai envie de soutenir. Je soutiens. Et je te mets ça où? La mer, elle est où, là? La mer, elle est au sud. Je te mets ça, là. Oh. Bien joué, la team Guatemala. Solide. Zireal, merci pour le sub. Ah ouais, on est humble, là. Très, très belle, ça. Là, c'est... Félicitations. Félicitations, messieurs, dames, là. C'est de la belle perf dans le monde, 17 bornes, quand même. Ambiance sud-américaine, comme dirait Dembélé. Si ta voiture a 4 barres métalliques en dessous, c'est Guatemala. Et donc là, du coup, il y avait 4 barres métalliques? Ah, ça? Ah putain, c'est vrai que... Ça, c'est les trucs qu'il faut savoir, quoi.
Sortir ça là. Ouais, bon, après là, c'est vous qui m'avez donné Guatemala. Hein. Clairement. Clairement. Je sais pas, j'ai juste essayé de faire une dinguerie avec la mer, mais bon. Oh. Grand sapin. Mais pas que des grands sapins. Grand sapin, grand arbre, je sais pas ce que c'est ça. Comme type de conifère. Suède. Ça. Ça peut être un Scandinavie, mais. Tu vois là. Canada, par exemple, c'est loin pour vous. Tu vois, comme proposition, parce que c'est trop. C'est du Lettonie, Estonie. Attendez, juste, j'essaie de vous montrer un paysage pour voir s'il y a. Il traîne en regardant le chat. Non, non, là, on finit juste en ayant mis la map monde en étant. De base, c'est juste pour faire un guess instant, mais. À la luminosité, pas Canada. Putain, merde, je voulais faire la technique du soleil, mais. Bon, on va envoyer Suède. Moi, je vous envoie souvent Suède quand je sais pas trop, comme ça. Ah non, bien joué. Lettonie. Ça pourrait être Canada, no joke. Oh, Boé, la canadienne. Ouais, tu vois, il y a des endroits qui peuvent faire un peu ambiance Canada. Genre grands arbres et tout. Ouf. C'est la France ? Ah non. Mais, c'est la France du général de Gaulle ? Galway. Vroom. Ah mais là on aurait même pas dû... C'est en Galway. M6. C'est où Galway ? C'est Irlande ? Ah c'est là-bas. C'est là-bas. M6. Et de l'autre côté c'est M18. Ouf. Oranmore, exactement 12 km. La N19 est aussi en embuscade. N19. Ça c'est M18, M6. Et la N19 en embuscade. Intéressant. Intéressant, dis donc. C'est la N19 qui nous donne l'info, non ? Ah, il y a Shannon ici. Donc Shannon, Limerick. De l'autre côté, c'est Galway, Oranmore. Où est Oranmore ? 12 km de là où on est. Parce que le Oranmore, il donne beaucoup d'infos quand même. Là, s'il met via N19, c'est-à-dire qu'on est déjà sur la M18, c'est-à-dire qu'on est là en fait. Mais est-ce que Oranmore c'est genre... Est-ce que si c'est 18 km ? Ah Oranmore c'est là. Ah c'est pas simple parce que là ils te mettent l'aéroport. Mais là on rentre sur la M18. Et en même temps, si on est à... M6, X, M18. Pensez, c'est vrai que c'est peut-être juste ça en fait. Bah ouais, ça m'a l'air d'être juste ça. En effet, c'était juste ça. En effet, là c'était plutôt simple quand même. Je vais vous foutre le eye tracker la semaine prochaine. Parce que ça sera marrant, vous verrez en fait les moments où je tourne juste à côté ou vraiment je regarde à côté. M19, c'est une direction plus lointaine. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est la suite de Shannon. En fait, c'est... C'est Shannon, si tu veux l'aéroport, t'auras la N19 et du coup... Mais ouais, ouais, ouais. Eh, on a fait 20 500 en étant un peu au pif ensemble. Pas mal quand même, hein.